Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette réunion de quartier. Donc, nous avons programmé des réunions pour chacun des quartiers. L'objectif étant effectivement de pouvoir se rencontrer en direct, parler de la ville de Marguerite, parler de la vie de vos quartiers sans intermédiaire, sans interprétation, et qu'on puisse en direct et en proximité pouvoir échanger sur des sujets qui nous concernent au quotidien. L'objectif de cette réunion est d'échanger ensemble pendant maximum 1h30. L'idée, c'est de finir aux alentours de 20h. Donc, nous avons un peu programmé, mais après on s'adaptera aux échanges que l'on aura. L'idée, c'est de vous parler dans un premier temps des projets, des grands dossiers de la commune, on va dire, des dossiers transversaux de la commune. Après, venir plus spécifiquement sur les dossiers de votre quartier, donc en l'occurrence le quartier Jeunesté, et puis avoir un temps d'échange sur des sujets sur lesquels nous ne serions pas venus et qui vous concernent directement. Moi, ce que je souhaite, c'est que cette réunion soit la plus interactive possible. Alors surtout, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à demander la parole pour qu'on puisse échanger sur ce qui est présenté, qu'on n'attende pas la fin de la réunion pour poser des questions. Rendons cette réunion la plus interactive possible et la plus dynamique possible. Alors, je vais rentrer dans les sujets. Les élus sont à mes côtés pour intervenir et venir compléter, préciser les propos et les informations que je vais être amené à vous donner. Donc, je vous propose de démarrer sur les grands dossiers de la commune, et peut-être un dossier qui est peut-être le dossier le plus important, parce qu'il nous concerne tous, c'est celui de l'offre de soins. C'est un sujet qui anime nos débats respectifs au conseil municipal, mais je suppose dans chacun de vos foyers aussi, celui de la question des médecins, du nombre de médecins. Nous avons connu deux départs précipités de médecins, le docteur Nouvel et le docteur Chrétien, qui ont dû arrêter leur activité de manière un peu précipitée. Et on est dans une situation qui met certains d'entre nous en difficulté, voire même en grande difficulté. Alors, la situation des médecins, elle n'est pas nouvelle. La pyramide des âges de nos médecins, on la connaît depuis longtemps. On savait que certains d'entre eux allaient partir à la retraite. C'est le constat que l'on fait sur notre commune. C'est pas propre à notre commune, c'est malheureusement propre à toute la France. Et vous en entendez certainement parler dans les médias. Quoi qu'il arrive, nous avons travaillé sur cette question-là, même si la santé n'est pas une compétence de la commune. C'est-à-dire que nous n'avons pas moyen d'agir, d'imposer un quota de médecins. La question de la santé, c'est une compétence de l'État. Pour autant, nous avons travaillé notamment avec Mme Coulan, adjointe de solidarité, travaillé sur cette question-là en rencontrant l'ensemble des professions médicales de la commune qui ont bien voulu participer à un certain nombre de réunions. Sur la situation à aujourd'hui en termes de médecins. Nous avons une nouvelle médecin qui est arrivée au cabinet du docteur Otard Grioto au 1er avril et qui vient pour partie remplacer le docteur Larkin. À compter du 1er juillet, nous aurons une nouvelle médecin qui va venir remplacer le docteur Chrétien en complément du docteur Bourgogne. Médecin qui nous vient de la commune de Pouce. À compter du mois d'août ou du mois de septembre, on a encore cette situation administrative à régler, puisque c'est une médecin d'origine étrangère. On a des petits dossiers à régler, on l'accompagne dans cette démarche-là. Arrivera donc une médecin, alors certainement, qui va se partager entre l'hôpital
l'hôpital et le cabinet, son cabinet, qui elle aussi exercera au sein du cabinet du docteur Bourgol et de la nouvelle doctoresse qui va arriver en remplacement du docteur Cattier. Donc, deux nouveaux médecins qui s'installent et une troisième qui va arriver. Donc ça, ce sont des certitudes. Après, on est en contact. Nous sommes en contact avec un futur médecin qui est en train de finir sa formation, qui souhaite s'installer sur Marguerite avec un ami à lui qui est ostéopathe. Donc, je vais tout vous dire pourquoi ils veulent s'installer sur Marguerite. Ils jouent au rugby au club de Marguerite. Et à faciliter pour eux à s'installer sur la commune. Et puis, il y a un potentiel de patientèle qui est important. Donc, ils ont pour projet de s'accompagner, s'installer sur notre commune. Et puis, nous avons rencontré également des ophtalmos, donc un cabinet d'ophtalmos, qui aujourd'hui est installé à Uzès et qui souhaite diversifier son activité et venir s'installer à Marguerite. Ils ont vu, comme tout le monde, que le docteur Chambert était parti. Et donc, il y a un potentiel là aussi sur Marguerite et qu'il y a un bassin, Marguerite ayant ce rôle de centralité. Donc, il y a un bassin qui est intéressant pour eux. Ils veulent s'installer à long terme, notamment avec de nouveaux ophtalmos qui vont arriver après leur période de formation. Donc ça, c'est sur les arrivées. Donc sur le départ, comme moi, vous avez appris le départ du cabinet de radiologie, certainement, qui vous l'avez appris certainement comme moi, mais qui sont là, ça c'est sûr, puisqu'ils ont décidé de recentrer leur activité sur les franciscaines et la polyclinique, je crois. Deux raisons, les investissements réalisés sur ces deux structures, optimiser, et puis un manque de radiologues, là aussi, ils n'arrivaient pas à assurer toutes les missions. C'est bien dommageable pour la commune. Après, on est tributaire des choix de ce groupe, puisque c'est un groupe qui a voulu aussi optimiser et rentabiliser ses investissements. Donc, voilà sur les arrivées, sur les départs des médecins. L'enjeu en termes d'offre de soins, c'est que notre territoire se dote d'une maison de santé de proximité, ce qu'on appelle une MSP. Une MSP, c'est une structure où c'est une entente entre médecins et fonctions paramédicales. Le ministère de la Santé pousse au déploiement des MSP et veut inciter les professions médicales à travailler de manière collective, en partageant leurs fichiers, en partageant les logiciels, en partageant, à travers des réunions de coordination, des échanges sur les patients qui suivent. Et lorsqu'une MSP s'installe dans une commune, on voit qu'elle est vectrice de recrutement de jeunes médecins. Parce qu'effectivement, les jeunes médecins veulent travailler dans cette dynamique collective. Mais la MSP, ça ne peut être qu'à l'initiative de deux médecins et d'une profession paramédicale. Ce n'est pas la mairie qui peut décider de créer une MSP. Il faut à tout prix que ce soit des professionnels qui décident de s'associer. Donc depuis plusieurs mois, on travaille, on les a réunis, on leur a présenté ce qui existait ailleurs, Romoulin notamment, il y a une MSP qui fonctionne très bien. La difficulté que l'on avait, c'est que nous n'avions pas deux médecins qui souhaitaient rentrer dans cette dynamique. L'arrivée des nouveaux médecins, que je vous ai cité précédemment, va permettre à la commune de pouvoir bénéficier d'une MSP, parce que nous avons au moins deux médecins, femmes, en l'occurrence, deux médecins femmes, qui veulent à tout prix s'intégrer dans ce dynamisme-là, et ils y ont associé un cabinet d'infirmières. Donc on a la base initiale pour pouvoir créer la MSP. Leur objectif est donc de pouvoir créer cette maison de santé de proximité dès le mois de septembre prochain. Alors une MSP, c'est pas un bâtiment, c'est bien des médecins qui travaillent ensemble, mais cette dynamique là fait qu'elle est attractive pour les nouveaux médecins. C'est le constat que l'on a pu faire avec l'ensemble des rencontres que l'on a pu faire, parce qu'on a rencontré des médecins, je vous le disais. On a également rencontré des jeunes étudiants en formation de médecine pour savoir qu'est-ce qu'ils
s'attendaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'ils allaient dans tel territoire et pas tel autre. Nous avons rencontré les responsables étudiants. Donc, histoire de cerner un peu les attentes des médecins. Alors, elles sont diverses. Ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent travailler en collectif. Mais ce qu'on entend aussi, c'est qu'ils souhaitent pouvoir être propriétaires de leur mieux. Parce qu'on comprend bien que pour eux, c'est un capital, c'est un investissement. Donc je m'installe, j'achète le bâti, et lorsque je m'en vais, je renonce au bâti. Alors c'est un peu la problématique que l'on a, parce que tous les médecins potentiellement spécialistes qui veulent s'installer sur la commune, nous leur proposons des locaux dont nous avons connaissance. Nous avons connaissance de locaux médicaux de Pasteur, nous avons connaissance de locaux médicaux de Hector Berlioz, donc on a vu Ferdinand Pertus également, les anciens locaux du docteur Chambert notamment, mais qui sont des locaux à la location. Ce qu'ils veulent à tout prix, c'est pouvoir acheter. Donc, on est aussi en train de débattre avec les acteurs propriétaires pour les inciter à aller dans cette démarche-là, parce que ce sera aussi une des clés pour faciliter l'installation de nouveaux médecins. Rue Hector Berlioz, je ne me trompe pas, c'est le docteur Ça. Donc là, on a des locaux tout adaptés, hein, plusieurs cabinets, un parking, qui aujourd'hui est à l'abandon. Et on aurait tout intérêt à ce que les ophtalmos, à ce que des spécialistes, à ce que des généralistes s'installent. Donc on essaie, je vous disais en introduction, nous n'avons pas la compétence en matière de santé. Par contre, notre rôle en tant qu'élu communaux, c'est de faire le relais, de faire un peu les agents immobiliers, de faire les facilitateurs pour trouver des solutions et aux uns. Et aux autres, donc c'est tout le travail que l'on mène, car l'enjeu des médecins est évidemment primordial sur la commune, surtout lorsqu'on regarde l'évolution démographique de notre commune. C'est pas propre à Marguerite aussi, mais on connaît un vieillissement de la population sur notre territoire. Il y a deux fois plus de personnes de plus de 70 ans qu'il y en avait il y a 20 ans. On est bien, Marguerite, on s'y installe, on y reste, on y vieillit bien. Et quand on y vieillit bien, il faut pouvoir bénéficier d'autres services que lorsqu'on avait 20 ans de moins. Et la santé en fait partie. Donc il faut à tout prix qu'on accompagne cette situation-là. Ce vieillissement de la population, c'est un constat dont il faut prendre acte et qu'on soit en mesure d'apporter toutes les réponses. On le voit dans l'Assemblée, hein, les gens qui sont partis, il y a plus de carte blanche, ou sans cheveux, ou moins de cheveux. Bon voilà, donc il faut s'adapter à cette situation-là, et nous mettons tout en forme pour essayer de trouver des solutions pour en termes de soins. Je parlais de vieillissement de la population. Sur le vieillissement de la population, il y a un enjeu aussi, c'est celui de la question du logement de la population des seniors. J'étais hier à Langlade, il y a une résidence senior qui est en train de se réaliser. Ils font 22 logements seniors, mixte social et non social. Il y a 70 demandes. Donc effectivement, ça répond aussi à un besoin. Et donc c'est quelque chose sur lequel travaillons aussi la question de l'habitat et du logement des seniors. Aujourd'hui, moi, beaucoup de seniors, certains seniors viennent me voir en me disant « Je recherche un logement moins grand, plus adapté à une situation des personnes qui se retrouvent seules, qui ne peuvent plus entretenir leur jardin, et qui souhaitent par contre rester sur Marguerite. Parce que Marguerite, j'ai ma vie, j'ai mes amis, j'ai mes services, j'ai peut-être ma famille, et je veux rester à Marguerite, mais bon, l'offre de mon logement actuel, qui me correspondait lorsque j'avais 2-3 enfants, me correspond moins maintenant. Donc il faut qu'on soit capable d'apporter cette offre de logement complémentaire, que sont les maisons en partage, que sont les résidences seniors. Pour ce faire, il faut qu'on ait du foncier disponible, hein, des terrains disponibles qui nous permettent de construire ces logements, mais c'est bien l'objectif que l'on a, de pouvoir proposer cette offre de logement sur la commune. Et on est en contact avec certains promoteurs, parce que la commune ne dispose pas énormément de foncier libre,
Mais par contre, on a du foncier que je libère par des ventes, et on a un contact avec certains promoteurs pour arriver à réaliser quelques logements seniors sur notre territoire qui seraient à l'aide. Alors, sous cette question-là, j'en profite parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. En disant cela, je ne cherche pas à stigmatiser les seniors, comme j'ai pu le dire ici ou là. Je ne souhaite pas faire partir les seniors de leur logement. D'abord, je n'en ai pas le pouvoir. Même Poutine, je ne suis pas sûr qu'on ait le pouvoir en Russie, quoique. Ainsi, on n'est pas en Russie, on est bien en France. Donc, n'entendez pas dans mes propos. C'est véritablement une absurdité lorsque vous le lisez, lorsque vous l'entendez. Il n'est pas question d'obliger les seniors à quitter leur maison. Pas du tout. La maison que nous avons achetée, j'en fais partie, les uns et les autres, elle nous appartient, c'est notre propriété, on veut la garder, c'est notre patrimoine, on veut en profiter. Et c'est tout simplement pouvoir proposer une offre complémentaire à ceux qui souhaitent être logés différemment. Donc, d'une possibilité, n'en faisons pas une obligation, et moi j'en fais surtout pas une obligation, entendez-le bien dans les propos, c'est ce qu'on appelle ce fameux parcours résidentiel. Quand je démarre ma vie, j'ai besoin d'un petit logement, quand je construis ma famille, j'ai besoin d'un plus grand logement, et puis lorsque je vieillis, j'ai peut-être besoin d'un logement adapté à ma situation. Donc parcours résidentiel, c'est bien proposer à ceux qui ne peuvent plus ou qui ne veulent plus, qui ne peuvent pas ou qui ne veulent plus, qui ne veulent plus rester dans leur logement, avoir un autre logement. Donc ça permet aussi de clarifier les choses et de répondre à ce qui peut être écrit sous. Donc voici sur l'offre de soins. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières, mais oui. La maison de santé de proximité, c'est une mise en coordination des médecins. Voilà, de ceux qui sont en place, mais pas que, parce qu'une MSP, elle peut avoir une vocation interpénale. L'objectif, c'est que cette MSP, elle attire les jeunes médecins. Parce qu'un jeune médecin, quand il arrive, il se refuse aujourd'hui à prendre un cabinet tout seul. Ça lui fait peur, il est démarré seul. Les jeunes médecins, on sait aussi que les jeunes médecins, pas que les jeunes médecins, mais c'est vrai pour les jeunes médecins, ils aspirent à une qualité de vie qui n'est pas compatible avec l'exercice de la santé telle qu'il se faisait auparavant, c'est-à-dire qu'ils veulent du temps, ce qui est tout à fait légitime, hein, du temps de vivre, du temps de vacances, du temps pour leur famille. Et donc ils ont besoin d'être rattachés à une structure où ils savent que leurs patients seront pris en charge, même s'ils ne sont pas. Donc du coup, la MSP est attractive. Et à travers la MSP, ce qui est intéressant, c'est que les médecins qui s'engagent dans une MSP s'engagent aussi, au moins pour certains d'entre eux, à être maîtres de stage des élèves en formation. Et lorsqu'ils sont maîtres de stage des élèves en formation, ils accueillent deux fois six mois le stagiaire. Et l'objectif, c'est que ce stagiaire, il s'habitue au lieu où il est, à la patientèle où il est, et qu'il ait envie de rester. Et en fait, on a l'exemple de Romoulin. À Romoulin, la MSP existe depuis 8 ans. Et depuis qu'ils sont installés, il y a 4 ou 5, je ne sais plus, médecins stagiaires qui se sont installés à Romoulin. Parce qu'ils savent à qui ils travaillent, ils connaissent leur patientèle, ils connaissent le secteur. Donc en fait, c'est véritablement une dynamique à initier. Et si demain, il y a besoin de réaliser une maison médicale, ou bâtir, de construire une maison de santé, on l'a réalisé. Ça, aujourd'hui, on a des locaux qui sont disponibles, donc qui nous permettent de répondre de manière même temporaire. On est même allé jusqu'à proposer des logements. On a des logements maintenant dans les écoles, par exemple. On peut très bien les mettre à disposition de jeunes praticiens qui viennent, ou jeunes moins jeunes qui viendraient s'installer en attendant qu'ils trouvent un logement, ou de stagiaires qui puissent être logés pendant le temps de leur stage. Donc le bâti, c'est, on peut y répondre facilement. Construction, etc. Mais ce qu'il faut véritablement arriver à installer parmi le corps médical marguerittois, c'est cette dynamique collective qui existe à Vesous, qui existe à Roulin et qui existe au Pantanchou. Mais je ne veux pas jeter la pierre aux anciens médecins, mais alors corps défendant, on a des médecins qui sont âgés, qui sont plutôt en fin de carrière. Je comprends que
changer de mode de travail, c'est compliqué. Et l'arrivée de nouveaux médecins va nous permettre d'installer, d'impulser cette nouvelle dynamique, parce qu'elles, elles sont vraiment astrologiques. Je dis elles, parce que c'est... Alors, c'est le cas de la MSP, en fait. Dans le cas de la MSP, donc il faut qu'ils écrivent un projet de territoire de santé, et dans lequel ils doivent s'engager un certain nombre d'horaires et de présence, au-delà des 9h30, 10h05, je tire un gros trait. Donc c'est tout l'engagement qui leur est demandé de manière collective, et l'idée du ministère de la Santé à travers cela, c'est non pas de revenir au système de garde que l'on a connu 24h sur 24, 7 jours sur 7, mais d'assurer une présence plus nombreuse des médecins sur la semaine, de manière à pouvoir gérer ces situations d'urgence. Et l'avantage de la MSP, c'est qu'ils se partagent en fait les dossiers. Donc si vous avez l'habitude d'aller chez le docteur X, le docteur Y aura accès à votre dossier. C'est ça toute la dynamique de la MSP. Merci. Oui, c'est ce que je disais. Oui, parce qu'à Bezous, ils ont déjà mis en place leur MSP. Voilà. Et ça fonctionne bien. Hein. Oui, non, mais c'est... Les MSP, ça fonctionne très bien. Nous, on a ces deux exemples de proximité, Bezous et Romoulin. On a aussi Chubuzès qui fonctionne bien. Véritablement, on a eu le témoignage de médecins qui en font partie, véritablement, les patients sont satisfaits parce qu'il y a une présence quasi permanente, et les médecins sont satisfaits parce qu'ils travaillent en collectif, ils ne sont pas en situation isolée. Oui. Bonjour à tous. J'essaie de parler un peu plus fort parce que quand vous parlez devant, on ne vous entend pas derrière. Et je suis ravi d'avoir autant de monde que ça sur le quartier des MST. Moi, je me présente Monsieur Faure. Alors deux choses, effectivement, concernant l'offre de soins, je trouve que c'est un très bon thème parce que c'est un sujet qui nous anime de tous les jours. Alors j'ai une première interrogation concernant ces maisons de santé de proximité. Il ne faudra pas oublier qu'on perdra, au niveau de l'offre de soins, on perdra le fait d'avoir des médecins référents. Ça, il y a des risques. Pas pour l'instant. Je ne sais pas si c'est une disposition réglementaire. Oui, mais c'est une disposition réglementaire, mais le problème, c'est que quand vous avez plusieurs médecins, il y a un turnover, et à partir de ce moment-là, vous risquez de perdre le médecin référent qui vous suit tout au long de votre parcours de vie. Ça, c'est une réalité. D'ailleurs, j'en avais fait part avec l'ARS, et l'ARS reconnaissait que, de manière sous-jacente, on ne pouvait pas forcément garder son propre médecin référent. Quelque chose qui est en train de changer dans la vie des gens. Concernant les maisons de MSP, il y a un deuxième problème que l'on rencontre, que vous allez rencontrer, monsieur le maire, c'est le fait de la Loisanne, zéro artificialisation nette, qui va poser de plus en plus de problèmes, parce qu'on va interdire de plus en plus à Marguerite à investir sur du foncier pour pouvoir faire des maisons. Il va falloir détricoter certaines choses pour faire autre chose. Ça, c'est une interrogation que je me pose. Par contre, j'ai une autre suggestion sur l'offre de soins, et je bats ma coule, concernant les mutuelles. Il arrive en France que de plus en plus de communes, là je vois qu'il y a tellement de monde et ça c'est super bien, qu'il y a des communes qui proposent, qui aujourd'hui investissent pour leurs administrés, des mutuelles sur lesquelles ils font un parcours auprès de leurs propres concitoyens. Est-ce que Marguerite serait aujourd'hui pourrait proposer un jour de mettre en place une mutuelle qui permettrait aux Marguerittois et Marguerittoises de pouvoir investir dans une mutuelle que la commune peut-être a pu trouver qui serait intéressante sur le plan de
du coût social pour les gens, de tous les gens. C'est une proposition parce que vous allez en Île-de-France, ça se fait de plus en plus. Vous allez dans certaines régions de France, les communes ont pris en compte ces problématiques parce que les mutuelles commencent à coûter très cher pour les gens. Alors nous avons, au sein de Marguerite, avec, auprès du CCAS, il y a une mutuelle, la mutuelle Aesia, qui a été mise en place, et qui permet d'avoir un certain nombre d'orientations, de vérifier la mutuelle actuelle que vous avez pour proposer un autre parcours. Oui, alors je vous coupe de suite, madame, j'y suis allé au CCAS, et j'ai été éconduit par le monsieur qui était là-bas. Il me dit, il faut que vous vous débrouillez auprès d'Amélie pour savoir si vous avez droit ou pas droit. L'affaire a été vite close. Je suis attendu une demi-heure, je suis reparti au bout de 5 minutes. Donc je suis désolé, mais là, on ne m'a pas proposé quoi que ce soit. On m'a dit, il faut que vous alliez sur le site de la mairie. Voilà, ça c'était la question sur les mutuelles. Oui, non, mais je viens, on a bien, je crois, on a une deux mutuelles, non, deux mutuelles avec qui nous avons conventionné, qui en contrepartie se sont engagées à proposer une offre de prestation et une offre tarifaire plus attractive qu'elle ne le propose. Alors je ne sais pas qui vous avez rencontré comme monsieur CCL, donc il y a peut-être monsieur CCL, peut-être pas monsieur de la mutuelle, je ne sais pas, mais il n'y a que la mutuelle, quoi qu'il en soit, il n'y a que la mutuelle qui peut vous dire à quoi vous êtes éligible et à quoi. Mais je vous assure qu'aujourd'hui on a deux contrats groupes. Pour les Marguerittois ? Pour les Marguerittois, tout à fait. C'est ça. À qui ça résume ? Je le découvre. Ah, pas du tout, d'accord. C'est piloté par le CCL, on est dans le cadre d'une action sociale, et c'est pas du tout sous condition de ressources. Alors après, en fonction de votre situation, bien entendu, le donc on a ce conventionnement-là existe déjà, donc je vous invite à vous rapprocher de CCL. Sur la question de ces référents, bon, ça appartient au ministère de la Santé, donc je suis en mesure de vous répondre. Et sur le ZAN, mais on y reviendra tout à l'heure, pour moi le ZAN c'est une opportunité plutôt qu'une contrainte. En espérant. Et aujourd'hui on a assez de bâtis existants sur la commune, j'en parlais tout à l'heure, qui peuvent nous permettre de répondre à ces questions-là. Et on a encore quelques espaces disponibles qui peuvent nous permettre de réaliser ce type d'installation. C'est aussi ça, reconstruire la ville sur la ville, c'est occuper la ville. Est-ce qu'on peut préciser que la maison de santé pluridisciplinaire de proximité ne nécessite pas de bâti au démarrage à long terme, ça peut venir, mais au démarrage, on peut toujours démarrer une maison de santé pluridisciplinaire sans avoir de bâti. Est-ce que c'est ce que tu veux? C'est pas une maison de santé pluridisciplinaire. Alors, je vous propose de passer sur un autre sujet un peu transversal, qui est celui des écoles, puisqu'elle nous concerne tous à un moment de notre vie. Vous faire un peu un point sur ce qui se trame aujourd'hui au niveau des écoles. Alors, nous avons inauguré à la rentrée dernière, puisque ça vous concerne directement, la cour d'école de Genesté, qui a été végétalisée, qui a l'air de bien fonctionner. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. M. Catherine Brancella, c'est lui qui a piloté ce chantier-là. Sur l'école Pérouse, nous avons lancé des travaux de rénovation énergétique de l'école Pérouse, qui était notre première passoire énergétique en termes de bâtiment. Elle consomme énormément. Donc, on a fait le directeur général, on a changé la chaufferie. On a repris les menuiseries et là aujourd'hui on est en train de faire l'isolation des voitures. L'objectif étant de gagner 4 à 7 degrés dans chacune des classes et bien entendu de consommer moins d'électricité, moins d'énergie sur nos bâtiments. Concernant l'école de Mercieux, l'école historique des Marguerites, donc là. Nous allons lancer des travaux de rénovation énergétique. L'objectif est de pouvoir démarrer les travaux au dernier trimestre 2024, c'est ça, M. le directeur général, donc à l'automne prochain. Cette école aussi, beaucoup d'entre nous y sommes allés. Voilà, elle est comme nous, elle a vieilli.
Nathalie, elle a besoin d'être réhabilitée, d'être rénovée d'un point de vue énergétique, et donc on fera un gros travaux. C'est de mémoire 700 000 € hors taxes aujourd'hui qui sont prévus sur une première phase sur cette école de Marcieux. Parallèlement, dans chacune des deux écoles, et nous l'espérons, si les financements sont là, pouvoir démarrer dès cet été, végétaliser la cour du Pérouse. Aujourd'hui, je vous invite à aller voir sur Internet, vu par satellite, à quoi ressemble l'école Pérouse. Dans le cadre du chantier que l'on mène, on l'avait fait, c'est totalement goudronné. Donc, on va enlever tout ce goudron et revégétaliser cette école. Vous avez les maquettes à l'entrée, vous avez certainement vu, sur lesquelles ont travaillé les enfants, puisque ces projets sont travaillés en concertation avec les enseignants, avec les parents et surtout les enfants. Et c'est eux qui projettent un certain nombre d'équipements sur leur école. Et puis après, nous lancerons les travaux de rénovation, de végétalisation de la cour d'école de Marcieux, qui sera le gros chantier en termes de végétalisation dans nos écoles. Donc ça, c'est pour nos écoles existantes. Et puis, nous avons un projet, vous avez certainement entendu parler, qui est celui de la création d'une troisième école primaire sur la commune de Marguerite, que l'on souhaiterait situer dans le quartier du Cadabou, donc à l'est de la commune, sur la plaine de Heulpe. Là, on en est autant des études et autant du recensement des besoins, notamment vis-à-vis de l'éducation nationale. L'idée, elle est de venir améliorer la qualité de vie que l'on a à l'école de Marcieux, qui est une grande école. C'est une des rares grandes écoles du département du Gard. Et on voit bien entre Pérouse et de Marcieux que c'est plus difficile de vivre à de Marcieux pour les enseignants et pour les enfants que vivre à Pérouse, parce qu'il y a plus de monde automatiquement. Tout est démultiplié. L'idée, c'est de revenir à trois écoles primaires qui soient à peu près de la même strate, 7-8 classes, et de pouvoir donc, partir sur l'est en ouest, donc c'est la plaine des Heulse qui a été située. Alors, on la présentera plus tôt lorsqu'on rencontrera le quartier du Cadabou. Là aussi, j'ai pu dire qu'on allait bétoniser la plaine des Heulse. Une école de 7-8 classes, ça prend à peu près l'emprise en profondeur de ce que représente aujourd'hui le City Stade. Ceux qui connaissent, donc on sera juste dans les limites nord de la plaine des Heulse. C'est plus de 3/4 de la plaine des Heulse restera végétalisée. Donc c'est des enjeux importants autour des écoles, parce que aujourd'hui nos écoles sont vieillissantes et il faut à tout prix lancer ces grands travaux importants. Alors, j'ai plus le budget en tête de Pérouse, mais on va être pas loin de 1 000 000 €. Et à De Marcieux, à l'arrivée, on en sera là aussi. Après, concernant la question des écoles, l'inquiétude que l'on a, c'est que... Alors, c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est que nous avons dû fermer... La dernière, une classe à l'école maternelle de Pérouse. Puisqu'aujourd'hui, je crois qu'on a la courbe de la population. Hein. Aujourd'hui, Marguerite, on est une décroissance démographique. Hein. On voit la population a plutôt été stable jusqu'aux années 80-90, a connu un essor démographique fort avec toute la création des lotissements dans lesquels et moi habitons, et puis aujourd'hui on voit que depuis les années 2000 cette tendance décroît. Alors c'est lié bien entendu à ce que je vous disais, hein, le vieillissement de la population, hein. Beaucoup d'entre nous étions 4 voire 5 dans nos maisons, nous ne sommes plus que 2 des fois ou des fois 1, et donc voilà, prenez cette décroissance démographique qu'il faudra stopper parce que perdre la population, c'est pas une commune dans une dynamique positive. Celle qui connaît trop d'approchement n'est pas dans une dynamique meilleure. Il faut trouver un juste équilibre. Donc il faut, tout à l'heure je vous parlais de la diversité de l'offre de logement, il faut qu'on arrive à
à proposer cette offre de logement diversifié pour continuer à attirer des familles sur la commune. Car le constat, c'est qu'on attire, les familles sont attirées par Marguerite, parce que Marguerite est effectivement une ville où on trouve tout. On est tous là pour ça. Il y a tous les services, il y a le collège, il y a les écoles, donc encore faut-il pouvoir s'y installer. Et aujourd'hui, on voit que pour les familles, c'est compliqué. Il suffit d'aller voir les agences immobilières, nous dirons ce qu'il en est du marché immobilier. Aujourd'hui, si vous mettez votre maison en vente, en 3 jours, vous la vendrez au prix que vous voulez. Par contre, si vous voulez en acheter une, ça sera bien plus compliqué. Donc aujourd'hui, il y a une tension sur le marché immobilier qui est forte. Donc il faut qu'on arrive à ce renouveau générationnel et donc à ce que des familles, des enfants puissent s'installer sur la commune. Alors, il y a des projets qui existent, le projet de Mézéra qui est en train de se construire, on en parlera tout à l'heure, donc vont permettre à des familles de venir s'installer, mais il faut être vigilant à cela. Alors bien entendu, la question n'est pas de faire 850 logements, comme certains peuvent le dire là, il n'a jamais été question de construire 850 logements sur la commune de Marguerite. Si on devait estimer le besoin en logement sur Marguerite au vu des demandes de logements que l'on a sur la commune, c'est 300 logements maximum qu'on a sur la commune. Ça ne veut pas dire qu'on réalisera 300 logements, mais le besoin, si on devait répondre à tous les besoins, il se situera à peu près là. 850 logements, c'est pas du tout l'ambition de la commune. D'abord, on n'arrive pas à les poser sur la commune de Marguerite, et puis on dénaturerait complètement Marguerite. Si on crée 850 logements, ça fait 2500 personnes supplémentaires, on déstructurerait complètement Marguerite, et derrière, il faut que tous les équipements publics suivent. Mais néanmoins, il faut qu'on soit vigilant à cette évolution démographique, et certainement qu'une des solutions, parce qu'il n'y a pas qu'une seule solution, mais qu'une des solutions, c'est être en capacité de proposer cette offre diversifiée. Aujourd'hui, des jeunes, j'ai encore reçu une dame aujourd'hui, tout à l'heure, avec une enfant, aujourd'hui, des jeunes, des familles monoparentales. Familles monoparentales, dans les années 80, ce n'était pas trop un sujet. Aujourd'hui, c'est un véritable sujet. Moi, je ne passe pas une semaine, Madame Mouille est en charge du logement, on ne passe pas une semaine, sans rencontrer souvent une maman, seule avec ses enfants, qui cherche à se loger dans un petit logement, qui n'a pas les moyens et puis qui n'a pas besoin de plus grand logement. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à répondre à cette demande-là parce qu'on n'a pas de petit logement. Sur Marguerite, de mémoire, on dirait, si vous l'utilisez, il y a 4000 logements. Il y a 3700 logements sur les 4000, ils sont des D4 ou des D5. Donc, on n'a que peu de T3 ou de T2, donc des logements qui répondent à des jeunes qui veulent s'installer, démarrer leur vie à Marguerite ou à des petites familles, dans la famille monoparentale ou des personnes âgées qui se retrouvent, ou des personnes qui se retrouvent en situation isolée. Donc voilà, il faut qu'on arrive à apporter cette offre-là pour demain, sans inverser la tendance, faire en sorte au moins qu'elle ne s'accroisse pas. Car derrière, c'est aussi la vie des écoles. Donc je refais le lien sur lequel j'étais. Car derrière, il en va du devenir de nos écoles. Alors on voit vite que lorsqu'il y a des logements qui arrivent, effectivement, il y a des demandes d'inscription dans les écoles. On a des logements qui sont arrivés récemment sur Praden. On le voit dans les faits des inscriptions aux écoles pour la rentrée prochaine. Donc voilà. Permettre du logement, c'est aussi permettre aux familles de venir s'installer à Marguerite. Pardon, allez-y. Deux questions par rapport à cette école. La circulation qui inévitablement va s'accroître. Et je ne sais pas si vous sentez le nord, parce qu'on est quand même un certain nombre d'appels. Et deuxième question, les parties pour les parents de cette école. Alors, l'objectif de cette école, je reviens effectivement, c'est d'organiser une école de quartier et une école de proximité. C'est justement rapprocher l'école des familles que l'éloigner. Donc l'idée, c'est bien que les agents, les familles pardon, qui habitent dans le secteur du Canabou n'aient pas à traverser les tours Marguerite pour rejoindre les Martieux et une école à proximité. Donc l'idée, c'est plutôt de réduire les flux. On ne va pas... Non mais le bassin de recrutement de l'école sera autour de l'école. On ne va pas faire venir des gens de la ville de Paris
à l'école de la PNE. L'idée, c'était d'avoir un bassin de recrutement, tel qu'on le connaît aujourd'hui sur le secteur de Pérouse, d'ailleurs. Le secteur de Pérouse, on est un bassin de recrutement à l'ouest, côté Pradène. Donc là, l'idée, c'est d'être plutôt à l'est, qui est le quartier du Canabou, qui est le plus gros quartier de la commune de Marguerite. Après, on n'a pas encore travaillé sur les questions des parkings. On n'est pas du tout là. Aujourd'hui, on a mis simplement mis du sens de circulation. On en est aujourd'hui simplement à la réflexion et du besoin, de l'analyse du besoin. On travaille aujourd'hui avec l'éducation nationale sur l'intérêt ou pas. Parce que peut-être que le constat que l'on fera, c'est que finalement, il n'y a aucun intérêt à construire cette école-là. Même si on pense que pédagogiquement et en termes de qualité de vie, cela a du sens. Si demain, on n'est pas capable d'inverser cette tendance-là, que finalement, la population le croit, le sujet se posera plus. Donc on est très, très en amont. Très, très en amont. On n'a aucun plan. On connaît la superficie d'une école. On n'a pas encore travaillé sur les photos sportives, sur les parcs. Mais l'objectif, c'est véritablement de réduire la circulation et que les papas et les mamans puissent amener leurs enfants à l'école ou que les enfants puissent aller à l'école à pied ou à vélo. C'est bien. L'objectif que l'on a, c'est pas encombrer, au contraire. C'est de désengorger. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les écoles? Alors, un grand projet qui nous anime en ce moment, qui est celui du parc Magne. Je suppose que vous avez entendu parler de ce parc qui se trouve en face de l'église, qui est en cours d'aménagement et qui sera inauguré donc le 24 juin. Donc, bien entendu, tous cordialement invités. Vous recevez le magazine avec l'invitation intérieure. Donc, l'objectif, c'est que le Marguerittois s'empare de ce parc. Juste quelques mots sur le parc Magne. Le parc Magne, c'est un hectare d'espace végétalisé sur lequel nous avons bien entendu maintenu l'allée de platane centenaire et qui est magnifique et je trouve qu'elle est valorisée en ce moment. Je vous invite à aller voir aussi ce qu'il y a au centre de l'allée de platane, même si on est encore en chantier, mais vous découvrirez une belle surprise, on aura l'occasion d'en reparler. Nous y avons planté un olivier, là aussi multicentenaire, que l'on a récupéré du côté du coin des arènes et qui, on en est heureux, repart et bien reparti le printemps, lui fait du bien. Et puis c'est un espace sur lequel on a planté plus de 160 arbres, 350 arbustes sur 6500 m² de prairie. Donc véritablement un espace végétalisé. À Marguerite, on a cette particularité de ne pas avoir de place du village comme peuvent l'avoir la ville de Montduel, par exemple. Et ce lieu un peu de rassemblement, et l'idée, c'est que on espère que ce parc sera le lieu où les familles, où les enfants, où les plus âgés pourront se retrouver et auront plaisir à promener, à s'amuser. Vous y trouverez un terrain de boule, il y a l'école du fond, il y a tout un espace, un parc qui sera fermé la nuit, mais qui sera bien entendu ouvert à toute la population le jour. Mais bon, la question de la végétalisation, c'est pas simplement celle du parc Magne, même si c'est le projet emblématique. L'objectif, c'est d'arriver à planter des arbres et à végétaliser le plus que l'on peut. Et à chaque fois que l'on porte un nouveau projet de voirie, notamment, systématiquement, dans la mesure possible, on essaye de végétaliser et voire même de survégétaliser nos espaces. Alors, votre quartier, lorsqu'on rentre dans votre quartier, d'abord, on a eu des sollicitations du côté de la place Champollion, puisque là, ce sont les riverains qui se sont parlé en nous disant, à travers le comité de quartier, nous voulons que des arbres soient plantés sur cet espace-là. Donc, on a sauté évidemment sur l'occasion, et je crois que c'est cet automne, puisque les arbres se plantent à l'automne. Cet automne, on plantera, c'est Mme Biro qui cherche ça, on plantera des arbres sur l'espace Champollion. Et quand on se promène dans votre quartier où il y a une multitude d'espaces verts, même de petits espaces verts, qui des fois ne sont pas ou peu utilisés parce qu'ils ne sont pas bien dimensionnés, ça mériterait peut-être qu'on continue à végétaliser ces espaces-là, parce que c'est source d'embellissement, évidemment, mais c'est aussi source de fraîcheur dans nos lotissements et dans nos rues. Donc c'est quelque chose que l'on va déployer sur l'ensemble de la commune. On a fait, dans la rue du Verjus, on a planté des arbres fruitiers. On essaie de répondre un peu en fait, aux sollicitations des riverains, parce que c'est vous qui vivez votre quartier.
Donc c'est vous qui allez nous dire, dans tel espace, on a besoin, il faudrait des bancs, dans tel espace, il faudrait des arbres, dans tel espace, il faudrait une sculpture. Et ce que l'on souhaite, c'est que vous vous empariez un peu de la vie de la vie de vos quartiers, que nous, on vienne simplement répondre aux sollicitations qui sont les vôtres. On l'a fait sur la place Champollion, et j'espère que ça va se développer un peu dans tous les quartiers de la commune. Aujourd'hui, l'enjeu de la végétalisation, il est primordial. C'est pour ça combien il est primordial. Il faut qu'il soit aussi compatible avec la structuration urbaine, la manière dont sont constitués nos lotissements, et que ça ne devienne pas une nuisance. On a tous en tête des pins qui causent problème parce que les racines, parce qu'ils construisent les murs. Il faut qu'aujourd'hui, on ne reproduise pas ces choix du passé qui étaient pas bon escient, hein, mais on n'avait pas peut-être pas anticipé tous ces choix-là, tout simplement parce qu'on n'avait pas, mesuré. Et puis en termes de végétalisation, la question de la ZAD, la question de zéro artificialisation nette, donc moi je pense que c'est une opportunité, hein, à travers le ZAD, ça nous permet de préserver et notre plaine agricole et notre espace de garrigue. Je pense qu'aujourd'hui, Marguerite, c'est 25 000 hectares, 50% en plaine agricole, 30% en zone de garrigue et 20% en zone urbaine. Donc aujourd'hui, je pense que la zone urbaine que l'on a, elle est suffisante pour la structuration de notre ville, même s'il faut accroître de la population, enfin, s'il faut inverser cette courbe de la population, cette enveloppe urbaine, elle est suffisante. On se doit, à mon sens, de préserver cet espace-là. De toute manière, aujourd'hui, la loi ne permet plus d'aller au-delà de l'enveloppe urbaine. Donc, l'avantage du ZAN, zéro artificialisation nette, c'est de préserver cet espace naturel, de faire en sorte qu'on ne puisse plus le détonner. Il y a une période, il y a eu ce besoin-là. Hein. Moi, je suis arrivé à Marguerite dans les années 70, j'avais 9 ans. Nos quartiers, là où j'habite, et là où certains d'entre vous habitent, c'était des champs. Mais il fallait répondre à cette croissance démographique, et très bien. C'était les choix du moment. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a peut-être d'autres choix à faire pour la période qui est la nôtre aujourd'hui. Donc il faut s'inscrire dans cette démarche-là. Et on s'inscrit à Marguerite dans cette démarche-là. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes proposés à la bétonisation d'une partie de la plaine agricole. Hein, c'est 35 hectares qui devaient être bétonnés sur la plaine agricole avec un certain nombre de logements conséquents, hein, entre 500 et 1000 logements qui étaient proposés. Donc, je crois qu'il faut s'inscrire dans cette démarche de loi. Voilà sur la dynamique de végétalisation qui est véritablement un fil rouge qui accompagne tous nos projets, et c'est vrai que le parc urbain, on est peut-être un peu la tête de pont. Oui. Juste pour au niveau de la végétalisation, sur la ville des Galoubés, je suis un peu surpris parce qu'il y a des carrés où il y a des arbres. Il y a des arbres qui ont été cassés il y a des années, qu'on jamais été repoussés. C'est la petite aparté. Après, au niveau de l'entretien des espaces verts, alors je dis peut-être des bêtises, il me semble qu'il y a encore quelques années, c'était vraiment la commune qui gérait ces espaces verts. Aujourd'hui, ils ont été sous-traités à des prestataires privés, il me semble. Alors, sur les arbres, oui, un certain nombre d'arbres qui ont été enlevés pour diverses raisons. Voilà. Au fur et à mesure, on essaye de. En général, on le fait lorsqu'on intervient sur un espace. On essaye de Ils ont été cassés par le vent après. Oui, 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 non mais il faut effectivement essayer de remplacer. On se donne un budget chaque année de remplacement d'arbres ou de plantation d'arbres. Donc petit à petit, on avance sur cette question-là. Et la deuxième question, c'était. C'est au niveau de la gestion des espaces verts. Ah oui, la gestion des espaces verts, oui. Mais la gestion des espaces verts, je le disais, il y a énormément d'espaces verts sur la commune, il faut s'en féliciter. Et on n'arrivait pas à assurer l'entretien avec nos propres moyens, tout simplement. Moyens humains et moyens matériels, notamment, et peut-être plus précisément. Donc on a fait ce choix de diviser la commune en 5 lots, en 4 lots, un lot conservé par les services municipaux, et 3 lots qui sont externalisés. Donc effectivement, aujourd'hui, nous avons une entreprise d'insertion qui intervient sur 2 lots, et puis une entreprise VRL, qui ne donne pas satisfaction, mais je crois qu'elle intervient d'ailleurs dans votre quartier. Ça ne donne pas, ça donne pas, ça donne pas,
satisfaction quand même de la manière dont ils interviennent. Donc ils ont démarré au mois d'avril, peut-être qu'ils se rôlent. Mais le choix, effectivement, il a été fait d'externaliser pour avoir du personnel présent et pour avoir du matériel performant présent, ce qu'on n'arrivait pas à assumer jusque-là. Mais ça reste une mission de service public financée par la collectivité. Et on a, je n'ai plus les budgets en tête, c'est un certain millier d'euros qu'on a mis sur cette partie-là. Et puis, il y a un sujet auquel on peut frotter, auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, et auquel nous n'étions pas, je m'y associe, confrontés par avant, c'est l'histoire du zéro film. Donc aujourd'hui, on n'a plus le droit de désarmer. Donc avant, je parle sous le couvert de ceux qui ont dirigé cette ville il y a quelques années, ils étaient passés. Quand c'est deux fois par an, les arbres, on arrive à du même des herbes dans le territoire. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire ça. Donc, effectivement, l'entretien, c'est un sujet, les herbes, c'est un sujet. J'ai croisé des gens de Monduel tout à l'heure, j'étais avec le directeur général des services, qui râlaient après les herbes à Monduel. Je me suis dit, si ils croisent des gens de Marguerite, ils trouveront aussi des gens qui râlent après les herbes à Marguerite. Effectivement, c'est un sujet compliqué, on n'arrivait plus à tenir, notamment du fait de M. Zé. Allez-y. Alors, on a des informations toutes récentes, puisqu'on les a reçues la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Alors, bon, aujourd'hui, je suis pas prêt de la vente. On a simplement reçu un certificat d'urbanisme. Donc, le certificat d'urbanisme, c'est la première démarche qu'entreprend un acheteur, souvent par l'intermédiaire du notaire, pour savoir s'il peut porter un projet sur ce périmètre-là, et si la commune ne peut pas planter, alors on a perdu le pouvoir de préemption, mais c'est la toute première démarche avant la vente. Donc effectivement, la semaine dernière, on a reçu ce certificat d'urbanisme accompagné d'un plan, d'un pré-plan d'aménagement. Je vous dis tout, hein, alors je n'ai plus du tout le nom en tête du promoteur. On ne les a pas rencontrés parce qu'en général, ils viennent nous voir quand même. En général, ils viennent nous voir pour nous dire voilà ce qu'on imagine, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous serez d'accord. Aujourd'hui, ils se projettent sur le plan que vous avez envoyé, 32 logements. C'est ça ? 32 logements. Je vous avoue que ça nous a fait bondir. Ça nous a fait bondir lorsqu'on a vu ça. Derrière, je ne sais pas ce qu'il y a comme typologie de logement, je ne sais pas quel type de logement c'est. J'ai fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je suis allé voir l'image satellitaire de Masguerard et j'ai mis à côté le plan d'implantation. Et quand on parle de végétalisation, là, on est à l'inverse. Bon, on est sur une parcelle privée. On est sur une parcelle privée. Le vendeur peut vendre à qui il veut. La commune, par l'intermédiaire des établissements publics fonciers, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le pouvoir, mais peut préempter éventuellement. Mais si on préempte, de toute manière, ce sera. Si le PF perd, ça sera simplement pour faire du logement. Moi, ce que du logement au Masguerard, pourquoi pas, il faut que ça soit de manière mesurée. Et quand je vous parlais de projets qui pourraient répondre à cette maison senior, ce type de lieu, même s'il est peut-être un peu éloigné du centre-ville, mais bon, après les choses s'organisent, ce type de lieu pourrait répondre à ce type de projet-là. Mais bon, encore que cela peut le porter, mais je vous avoue qu'aujourd'hui, on est. Voilà, interloqué sur cette question-là et donc on va convoquer le promoteur que je ne connais pas d'ailleurs, c'est pas une entreprise que je connais. L'objectif d'un promoteur, c'est de faire de l'argent. Donc s'il y a 32 logements, il va en faire de l'argent. C'est sûr qu'un promoteur, alors, et le promoteur va faire de l'argent, et le propriétaire va faire de l'argent. Donc le propriétaire, effectivement, il fera plus d'argent en vendant un promoteur que son logement qu'en divisant son terrain en quatre. Ça, c'est évident. Et ça, c'est la loi du marché. Malheureusement, on n'a pas... La seule chose le seul pouvoir que l'on a, c'est de faire préempter par l'établissement public foncier. Et l'établissement public foncier ne préempte que pour faire du logement social. Alors, le logement social, ça fait du logement senior. Hein, mais c'est la seule condition. Donc le devenir de ce terrain, à terme,
on ne pourra pas empêcher que quelque chose se passe. Par contre, il faut qu'on limite l'impact. On arrive à limiter l'impact. Aujourd'hui, c'est la grosse difficulté que l'on a sur notre commune Marguerite. Notre plan local d'urbanisme, il ne permet pas de limiter, dans le cadre de l'enveloppe urbaine, l'urbanisation d'une parcelle. La construction sur une parcelle. Il faut que le plan local d'urbanisme sur lequel on travaille, il oblige le futur constructeur, qu'il soit privé, qu'il soit monsieur lambda ou un promoteur, à garder sur son terrain un certain pourcentage d'espace végétalisé. Ça, le plus actuel ne le permet pas. Vous l'avez peut-être vu, alors c'est ne concerne pas votre quartier, mais c'est le cas de l'avenue de Camargue, Bois-Charmant. Bois-Charmant, où il y a un permis de construire qui a été validé en juin 2020. 18 logements, Bois-Charmant. Le seul engagement qui était fait, qui permettait le plus, c'est de dire qu'il faut conserver les arbres, il faut conserver 5 platanes, pardon. Il faut conserver 5 platanes. Et conserver 5 platanes, ça veut dire quoi? Si c'est pour laisser un tronc comme ça, on conserve le platane et les racines, mais la raison, ils ont été. Si c'était qu'on n'avait pas d'autre choix, enfin, on n'avait pas de règles pour les contraindre à cela. Il faut qu'on arrive, dans le cadre du plan d'urbanisme, à contraindre les constructeurs, quels qu'ils soient, une maison ou un collectif, à garder de l'espace non construit et de garder de l'espace végétalisé. Donc c'est un peu tout l'enjeu qu'on va mener sur l'espace urbain. Parce que là, ça va défigurer complètement le quartier. Mais je suis... Alors aujourd'hui, c'est une déclaration d'intention. Donc à nous de mener ce dossier finement pour montrer, on reçoit le promoteur en disant que ce projet n'est pas acceptable dans le cadre du quartier. Vous venez de le dire vous-même, hein, ce quartier n'est pas structuré pour accueillir 32 logements. Le sens de circulation, le dimensionnement de la circulation n'est pas du tout adapté pour accueillir. Donc, On va travailler avec le promoteur sur cette question-là. Bon, en général, un promoteur, quand il voit que la municipalité n'est pas en train de le suivre, il freine un peu, mais vous le disiez, tout le monde recherche de la rentabilité. Et le propriétaire, et le promoteur. Monsieur. Oui, pour ajouter sur la parcelle, il y a quand même des arbres remarquables. Et en plus, il y a des animaux qui sont il y a donc on peut faire intervenir l'environnement. Alors, c'est un lieu de biodiversité, vous avez entièrement raison. C'est un lieu de biodiversité, par exemple. Ah oui, parce que moi, je l'ai toujours vu de loin, parce que j'ai tourné autour en vélo ou en mobylette, ou en voiture maintenant, et je voudrais bien le visiter. Non. Ah non, ils sont obligés de passer par nous. Non, il n'est pas vendu. Ce que je vous disais, aujourd'hui, on en est à l'état de certificat d'urbanisme. Aujourd'hui, il n'est pas vendu. Je l'ai pas. C'est pas un promoteur dans l'habitude de connaître sur la. Je l'ai pas en fait, mais on vous. Mais il n'est pas vendu. Non, il n'est pas vendu. Il n'est pas vendu et on est. Une fois qu'on aura l'acte de vente, signé, on rentrera dans le temps du délai de préemption. Hein, le délai de commande. Donc il n'est pas vendu encore, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à. Il faut commencer à travailler. Et c'est tout récent la semaine dernière. On n'a pas le détail aujourd'hui.
Mais je pense qu'ils n'en sont pas non plus, ils sont juste sur un procès d'annulation. Et oui, mais on est, ce que je vous disais, on est sur des parcelles privées vendues entre privées. Et aujourd'hui, notre plan local d'urbanisme, qui date de 2014, notre plan local d'urbanisme, il ne permet pas de nous opposer à ce type de construction-là. Au domaine de la Princesse, il aurait mieux valu faire deux étages. Ça aurait été moins dense sur la parcelle, il y aurait eu autant de logements, il y aurait eu la même rentabilité, et je pense que la qualité de vie aurait été meilleure. Mais même si l'espace est plutôt sympa, mais bon. Mais aujourd'hui, le flux ne permet pas. Et le Mas Guérin, on est de mémoire en web, c'est pareil, il n'y a pas la possibilité d'aller au-delà de deux étages. Donc ils vont chercher au-delà d'un étage. Donc ils vont chercher à s'étendre. Et après là, voilà. Donc, il faut bien avoir conscience qu'on est dans une vente d'un terrain privé à un promoteur privé. Et la mairie, depuis 2014, comme il manque de logements sociaux sur la commune de Marguerite, depuis 2014, la mairie a perdu son pouvoir de prendre. Il faudra avoir 25% de logements sociaux, il y en a 7 sur la commune, 7%. Donc, le préfet nous a retiré à la commune, depuis 2014, ce pouvoir de prendre. Alors, quand un terrain se vend, ce n'est plus le maire, c'est l'État. C'est l'État à travers ce que j'appelle l'établissement public foncier. Mais lorsque l'État préempte, il préempte pour faire du logement. Logement social. Pour compenser ces fameux delta qu'on a entre 7 et 13%. Donc aujourd'hui, la mairie, elle ne peut pas préempter, elle ne peut pas s'opposer à la vente, elle ne peut contraindre dans les limites. Par contre, elle peut demander à l'UPL de prêter, et ça sera pour faire du logement. Mais peut-être, du logement social. Mais peut-être que là, on arrivera à trouver un équilibre plus intéressant. Plus adapté à la vie. Des petits logements sociaux, une maison partage. Voilà, une maison partage, c'est éligible au logement social. C'est des lieux qui s'y prêtent. Moi, dans l'espace du Bois Charmant, c'est quelque chose qu'on aurait bien imaginé. Donc faire du logement résidentiel. C'est des espaces qui s'y prêtent bien. Mais vous l'avez dit, après, chacun veut faire son bien. Bon, c'est un sujet qu'on suit de près. Pardon, monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est bien l'enjeu que l'on doit mener. Et je rappelle, on n'est pas maître de notre destin, là, sur le destin du Mas-Guérin. On va recevoir, comme on le fait systématiquement. On reçoit les promoteurs, je vous disais, d'habitude, ils viennent nous voir en amont. On reçoit les promoteurs qui viennent nous présenter leur plan projet. Et on leur dit ce qui est acceptable pour nous, ce qui ne l'est pas. Ce que la loi nous permet de refuser, ça c'est facile. Et puis ceux qui ne nous plaît pas. Alors ceux qui ne nous plaît pas, ça peut leur passer là. En général, ils sont quand même attentifs à la position de la commune. Et après, on leur demande de venir présenter le projet à l'ensemble des riverains du quartier. Pour que chacun puisse prendre conscience de ce qui va se passer. Et qu'on travaille sur des aménagements potentiels, si la construction de la route. Quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, il y aura construction. Le tout, c'est qu'elle soit mesurée et qu'elle soit respectueuse des arbres remarquables dont vous faisiez état, monsieur, et qu'on privilégie cette biodiversité, même s'il y a certains arbres qui sont enlevés, enlevons ceux, enfin, gardons l'équilibre entre ce parc et demain, le futur logement. C'est tout l'enjeu, c'est tout ce qui va être notre enjeu. Mais on les rencontrera, et ce que je peux vous assurer, c'est que dès qu'ils ont un projet à présenter, tout le monde, vous serez tous associés à ce projet.
C'est aussi une inquiétude qu'on a depuis un moment sur ce parc-là. On savait bien qu'un jour ou l'autre, la question se poserait. Et ce n'est pas un espace qui a été préservé dans le plan local, comme l'avait été la parcelle grande. Et donc, voilà. Donc c'est un terrain qui est constructible. Et le promoteur qui propose son logement, il est dans son droit. Je ne sais pas. On n'en est pas là encore. On n'en est pas là. C'est simplement sur leur équilibre financier, il a trop de logements. Voilà. Oui. C'est un espace qui était classé comme espace naturel. Et c'est qui était en Beaujolais, en l'occurrence, qui l'a vendu à la commune. Donc là aussi, c'est là où on a trouvé l'équilibre. La parcelle Magne, l'État voulait qu'il y ait du logement social, la mairie voulait garder un espace pour faire un parc, et le propriétaire voulait gagner des pépettes. Et bien on est arrivé à trouver une entente à trois. L'État a laissé faire un petit lotissement de 1000 logements que M. Magne a vendu à un promoteur. On a laissé faire des logements collectifs à la place de la Grange. Il y aura 8 logements sociaux au moment, ce qui permet de répondre aux attentes de l'État. Et on a pu garder le parc. Et on est arrivé à trouver cet équilibre-là. C'est là où je parlais d'équilibre. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à négocier, que chacun s'y retrouve. Que chacun s'y retrouve. Et nous, la commune, là sur le Mas-Garras, ce qui est important, c'est qu'on y retrouve la sérénité de ce quartier. Voilà. Qu'on n'y perde pas pendant la sérénité. Alors, manifestement, il n'y a pas d'arbre classé. Manifestement, il n'y a pas d'arbre classé sur le Mas-Garras. Autant les platanes du parc Magne étaient classés, c'est pas le cas sur le. Chaque année, on a les cigognes qui viennent. Vous savez, c'est intéressant de le voir, satellite, on voit ce poumon vert en plein cœur. Donc voilà, c'est un sujet qui va nous animer quelques mois. Nous animer. Vous voyez, je vous cache rien, je vous dis tout. Mais on le travaillera ensemble. Comptez sur moi pour le travailler ensemble. On sera tous obligés. Comment ? Le problème, c'est que là, je dis encore, si on préempte, si l'État préempte, ça sera pour faire du logement. Et on ne sera peut-être pas pour faire du logement. Monsieur. Il y a des choses. Des bois, des espaces, des parkings. Donc on ne peut pas dire ce qu'ils veulent. Normalement, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Alors on voit ce qu'ils veulent, c'est pas la peine parce qu'il y a une merde. Vous avez entièrement raison, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils doivent le faire dans les limites du plan local d'urbanisme. C'est le plan local d'urbanisme de la commune qui fixe les règles d'urbanisme de la commune. Donc il y aura des bois. Ah non, vous savez, bien sûr, vous avez raison. Le problème, c'est que notre actuel plan local d'urbanisme, aujourd'hui, sur la question de la préservation des arbres, eh bien, il n'est pas efficient, il n'est pas efficace. Et ni pour la biodiversité. Il n'est pas suffisant. Et on l'a vu, sur le prochain mandat. D'ailleurs, il a été validé par l'ancienne municipalité. Ils avaient bloqué un certain nombre de choses, donc 5 platanes remarquables à conserver. Mais conserver, qu'est-ce que ça veut dire conserver? Quand vous allez constater que le tronc est l'arbre, que le tronc est là, vous dire oui, le platane a été conservé. Mais s'il a été têté, c'est quand même la fête. Donc, un promoteur, mais n'importe qui, ne fait pas ce qu'il veut en matière d'urbanisme, il est contraint par le règlement d'urbanisme qui est le plan local, qui est le PLU. Mais ce PLU, Ça. Ou une orchidée, mais on travaillera dessus. Ça fait partie des armes que l'on a aussi. Non, mais ce que les promoteurs aussi entendent, c'est l'opposition collective aussi. Voilà. C'est pour ça que la réunion entre les riverains et le promoteur, elle est importante. Même si on est dans des projets privés à privés,
moi, systématiquement, je leur demande de venir présenter le projet ici, en salle de conseil, devant les murs. Oui, vous n'avez pas pu avoir de contact préalable avec le vendeur ? Non. Parce que s'il avait fait comme M. Mann et qu'il est proposé à la mairie de vendre. Non. On n'a pas eu de contact avec. Souvent, alors je n'ai pas la situation de la trentaine, souvent on est sur des indivisions, des successions, des gens qui sont loin, donc c'est ce qu'on a eu sur le domaine de la princesse, je vous parlais du domaine de la princesse, voilà, on est sur des gens qui sont pas n'habitent pas sur la commune et qui n'ont pas d'intérêt, hein, qui n'arrivent pas à régler les successions et qui vont au plus de front. Mais bon, on a encore une arme qui est la préemption. Pas par le biais de la mairie, mais par le biais de l'État. Si demain on allait jusqu'à la vente, la promotion elle intervient après la vente. Donc vous savez, on reçoit un promoteur en lui disant si vous achetez, on va présenter. En général, ça les fait réfléchir. Mais bon, on va se tenir au courant. Je dis ça, c'est tout chaud, c'est un peu tout ça. On le tient depuis la semaine dernière. Je crois que je n'avais même pas encore le temps de parler à mes élus. Vous voyez, donc ils apprennent aussi en direct. Ils apprennent en direct. On a reçu ça voilà, tout récemment et on n'a pas plus d'informations que ça. Après, en toute logique, enfin, l'État impose à la commune et donc à nous un certain nombre de logements sociaux. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout, de ce que j'ai compris. Donc il faut bien que vous trouviez quand même des emplacements pour ces logements. Quelles sont les conséquences si on ne répond pas aux attentes de l'État ? Alors d'abord, on n'arrivera pas à répondre aux obligations de la loi. Parce qu'aujourd'hui, sur Marguerite, il faudrait avoir 1000 logements sociaux. On en a 300. On aura des Marguerites. Donc il faudra en construire 700. Et si on veut rester dans les règles de la mixité sociale, il faut, à chaque fois qu'on construit un logement social, il faudrait construire 2 logements non sociaux. Donc 7 fois 3, ça fait 2100 logements. Il y a la moitié de nos 4000. Créer une nouvelle ville. On ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre à cette obligation-là. La contrepartie, c'est une pénalité que l'on paye. Aujourd'hui, on paye 225 000 euros par an. 225 000 euros par an sur le budget de la commune, 225 000 euros par an, c'est plus que ce qu'on donne aux associations. C'est un quart du budget de l'école. Enfin, voilà. C'est une pénalité de 225 000 euros. 25 000 euros. Aujourd'hui, sur la commune, on a à peu près 300 demandes de logements sociaux. Des gens de Marguerite, des alentours qui demandent des logements sociaux. Donc le besoin réel en logements sociaux sur notre commune, il est là, si on devait répondre aux demandes des personnes. Aujourd'hui, on a sur la commune quelques terrains qui peuvent accueillir des logements, c'est le cas. Puis on a un certain nombre de logements vacants, notamment dans le cœur de ville, une grosse centaine de logements vacants dans le cœur de ville. C'est pour ça qu'on a lancé avec l'Union Métropole une opération programmée de l'habitat, c'est-à-dire une opération de rénovation, d'amélioration et de rénovation du logement vacant insalubre. On a beaucoup de logements insalubres dans le lotissement. Donc là, on a un potentiel réel. On a un certain nombre de projets aujourd'hui qui sortent sur Mézirac, vous en êtes les voisins, et puis quelques petits projets ici ou là. Donc on répondra pour partie à l'obligation qui nous est faite, et ce n'est pas qu'une obligation, c'est aussi un réel besoin. Hein, Madame Wynne qui suit le logement, tous les jours elle reçoit des gens qui sont en attente de logements sociaux. Aujourd'hui, il y a 2/3 des gardois, 2/3. Sont éligibles aux logements sociaux. J'en ai reçu 2 cette après-midi. Souvent, les deux les mêmes profils, des mamans avec des enfants. Donc il y a ce besoin sur la commune. Mais il faut qu'on y réponde sur l'habitat existant. C'est en fait sur le bâti existant qu'il faut y répondre, sur l'enveloppe urbaine existante. On n'ira jamais. Moi j'ai rencontré le préfet, le directeur général des services, je lui ai dit que jamais à Marguerite on pourra réaliser 700 logements sociaux, ce n'est pas possible. Si c'est complètement déstructuré, ça reviendra à déstructurer la commune. Par contre, on répondra à ce qui nous semble être le besoin
le besoin de la commune. Et l'objectif étant d'arriver, bien entendu, et à répondre aux besoins et en même temps à diminuer cette pénalité. Pour votre information, on a fait un recours contre la pénalité que nous a mis le préfet là. Je pense pas qu'on gagnera. On montre un peu les dents contre ce sujet. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'année passée, la pénalité était 50 euros, on est monté à 225. Malgré les différentes constructions, malgré les différents. Après là, sur la décision d'un tel projet, vous êtes quand même partagé, vous êtes quand même oppressé des deux côtés, pareil, il y aura. C'est pour ça que je parlais d'équilibre. Il faut qu'on soit dans l'équilibre. Il ne faut pas que d'un côté, on oppresse les riverains pour à tout prix faire du logement social. Si c'est derrière, c'est pour générer de la nuisance, générer de la frustration, générer du mal-vivre, c'est du perdant-perdant. Donc il faut qu'on y trouve l'équilibre. Je pense que c'est ce qu'on va arriver à faire, par exemple, sur le parc de Malville. Madame, oui, là sur l'ancienne de Préfalu, là c'est 10 logements, sociaux, 2x5. Oui. 2x5 logements sociaux. Donc là c'est une parcelle qui a été préemptée par l'établissement public, par l'État, pour schématiser, et qui a été confiée donc à un promoteur, à un bailleur, en l'occurrence un toit pour tous, et qui a réalisé ces 2x5 logements qui sont en fait des petites villas. Des petits duplex, des logements sociaux. On a une problématique sur le stationnement, mais on y viendra tout à l'heure, si vous voulez, parce qu'on verra dans GNST. J'avance, parce que je ne sais pas qui l'aurait dit, mais je pense que le temps passe. 8 heures moins 10. Alors, très vite, parce que je veux vous mettre sur le village des solidarités. Donc ça, c'est un sujet important de la commune. Vous savez, c'est ce bâtiment qui doit accueillir à la fois le centre médico-social du département, la maison France Service de l'État, le CCAS et le centre social fiscal. Donc l'objectif, c'est sur la plaine de Pérouse, donc ça fait partie du projet de campagne qu'on avait présenté. Donc c'est de réaliser ce bâtiment en termes environnemental, qui a l'objectif de moins consommer d'électricité qu'il n'en produit. À haute qualité environnementale. Donc c'est un dossier donc sur lequel il a fallu qu'on retire le permis parce qu'on a des demandes d'explication de la part des services qui sont prescripteurs d'avis. D'ailleurs, demain, on va rencontrer un des services avec le directeur général des services puisqu'on a une question autour de la protection de la zone de captage puisqu'à côté, on a une zone de captage. La zone de captage qui alimente la commune d'eau, la commune en eau, et donc voilà, donc la zone de captage est ici. Donc le village de solidarité, il doit être là. Voilà, le village de solidarité. Vous voyez son emprise. Et donc, bon, il faut qu'on précise les conditions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sauf si vous le souhaitez, mais les conditions de constructibilité qui permettent de rendre compatible à la fois la préservation de la ressource en eau et la réalisation de ce bâtiment. Mais c'est un sujet voilà, qui est toujours, évidemment, toujours d'actualité. Voilà. En rose, vous voyez en fait le périmètre de protection de la zone de captage, dont on voit qu'il est urbanisé à 60%, et notamment avec une zone industrielle en haut, puisqu'on y retrouve deux ICPE. Alors, ICPE, c'est l'installation classée, ce qu'on appelle les entreprises des eaux, sont en amont de la zone de captage. Enfin bon, ça, on aura l'occasion d'en discuter avec les prescripteurs. Donc voilà, pour le village de solidarité, un sujet qui est mis en pause, mais qui reste toujours d'actualité. Très rapidement aussi, très rapidement, vous parlez des travaux sur les équipements publics. Aujourd'hui, on a le sujet de la piscine, donc on travaille la rénovation des vestiaires de la piscine. Ces vestiaires-là, c'est les mêmes lorsque moi j'ai appris à nager, quelques années. Ceux qui en sont passés les reconnaissent. Donc, la piscine est fermée depuis 2019. Il faut la rendre, d'abord l'embellir, mais surtout la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Et donc, on a des travaux de réalisation. L'objectif, c'est de pouvoir les réaliser, L'objectif, c'est de pouvoir les réaliser. Alors, on avait espéré avant l'été, ça ne sera pas possible.
de les réaliser à partir de l'automne, sous réserve, et évidemment, qu'on ait les financements qui viennent nous accompagner sur ce projet-là. Et puis on a un projet aussi sur le parc de Pradène, vous avez aussi entendu parler, donc l'amélioration d'un certain nombre d'équipements sportifs, puisque l'idée c'est de rassembler un peu sur Pradène les équipements sportifs, quasiment tous les équipements sportifs d'extérieur, et de réaménager en rendant cet espace piéton. Donc dès cette année, on va créer un parking à l'extérieur de Pradène pour limiter le nombre de voitures dans le parc, afin qu'on soit dans un espace totalement sécurisé pour les piétons et les cyclistes. Et puis, et cette année, nous aurons un espace de paddle, tennis, qui sera installé sur cet espace-là. Bon. La stratégie de la municipalité, aujourd'hui, c'est de rénover l'ensemble de nos équipements publics, qui sont aujourd'hui vieillissants. C'est un constat, c'est pas une critique. Et de donner la priorité. La priorité à l'éducation, le sport et l'accessibilité aux personnes en mobilité réduite. Je vais vite parce que je voulais venir un peu profondément sur les dossiers de jeunesse. Alors, sauf si vous avez des questions sur ce sujet-là. Oui. Juste une question. J'ai la chance d'être papy. Donc, j'ai de temps en temps des petits-enfants qui viennent de. Que je récupère pour les garder. Je trouve que malheureusement les parcs enfants, les parcs pour les enfants, les jeux, sont vieillissants. Et par exemple, celui qui se trouve à côté de la médiathèque aurait besoin d'être refait et donner un peu plus de volume avec les jeux, parce que là, dès qu'il y a 10 enfants à l'intérieur, c'est fini. Hein. Alors, on en a fait une partie l'an dernier. Ouais, mais il y a le grand qui est à changer, donc ça fait partie. On est en train mais peut-être l'étoffer. Alors, je trouve que ça serait bien de l'étoffer, d'être soit un peu plus grand. Alors, sur les aires de jeu, donc il y a le Canavou qui va être réalisé, ouais. Il y aura le parc Mal maintenant, qui va être aussi une nouvelle réponse, parce que là, les jeux ont été pensés par les enfants, les enfants. Et l'objectif que l'on a autour du château d'eau, puisque c'est le secteur où vous êtes, c'est peut-être de mettre des jeux à destination plutôt des ados, près des collégiens. Parce que c'est aussi un secteur mais vous avez quand même beaucoup de petits-enfants. Il y en a beaucoup, mais les petits grandissent. Oui, mais il faut quand même leur donner d'abord la possibilité de s'émanciper sur des petits jeux, avant que les grands arrivent et qu'ils prennent après qu'ils s'accaparent tous les jeux. Il se trouve qu'à côté le château d'eau et la médiathèque, il y a quand même des jeux pour les petits, vous l'avez dit. Donc c'est pour ça qu'on veut mettre... Il n'y en a pas assez. C'est pour ça qu'on veut mettre des jeux pour les plus grands, pour que les plus grands restent autour des tables de ping-pong ou enfin, des jeux que l'on mettra en place. Et puis je vous dis, il y a le parc Man qui va être aussi, on va apprécier le parc Man et on verra quelle réponse il apporte et si c'est suffisant ou pas. Et puis l'idée c'est peut-être aussi de les répartir un peu, les jeux. Ah oui, je ne dis pas le contraire. Mais moi, chaque fois que j'y vais, il y a vraiment beaucoup de petits-enfants qui ont envie de s'ébattre. Et je trouve que le parc, ne serait-ce que pour ces petits-enfants, c'est pas suffisant. Vous allez voir en Magne, vous allez râler parce que le parc est trop grand, il va falloir faire. Ah ben on ira un peu plus. Je râlerai pas, hein, au contraire. Bon. Alors je viens sur le projet qui concerne directement votre quartier et un sujet dont on a déjà parlé lorsque l'on avait travaillé sur le PLMD, le plan local de mobilité durable, qui est celui des entrées de ville. Si vous vous souvenez, on avait présenté le fait qu'aujourd'hui, on a une seule entrée au nord de la commune, qui est l'avenue de Paris. On a, de mémoire, 7 000 véhicules jour sur cette entrée. Donc l'idée, c'est de diviser les flux entrants. On sait qu'on ne règle pas la question des flux sortants. Et de diviser les flux entrants pour partager la circulation sur le territoire. Donc, la proposition qu'on avait faite dans le cadre du PLMD, on avait vu comment débattre entre nous, était de réaliser deux nouvelles entrées, une entrée avenue de Genesté, une entrée rue des Aubes. L'idée, c'est de pouvoir réaliser concomitamment ces deux entrées, pour que la division des flux, elle s'opère automatiquement. Donc là, vous concernant, on a plus particulièrement travaillé sur l'entrée de ville
Genesté. Donc, pour vous situer, donc là, c'est le dessin tel qu'il est aujourd'hui. On a au nord, évidemment, la départementale 86. Là, on a les futurs lots d'habitation. Donc là, on y retrouve le fameux mur en pierre qui a été réalisé. Donc là, la rue de Genesté. Là, c'est la rue des Jonquilles, si je ne me trompe pas. Donc l'idée, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. L'idée, c'est de créer une entrée un peu à l'image de celle qui existe côté rue des anciens combattants, donc complètement à l'ouest de la commune, à l'inverse d'ici, de faire une entrée tourne à droite, comme on appelle, c'est ça, monsieur le technicien, une entrée tourne à droite, avec un stop ici pour bloquer l'entrée des voitures, ce qui n'est pas le cas des anciens combattants, parce qu'on n'avait pas assez de profondeur, enfin, les services à l'époque n'avaient pas assez de profondeur pour faire un stop. Là, on a assez de profondeur pour poser un stop et de faire en sorte que les voitures puissent s'arrêter les unes derrière les autres sans pour autant bloquer la départementale 6086. Donc voilà, l'idée, c'est que les gens rentrent ici et puissent accéder à ce quartier-là, mais que aussi de là, on puisse accéder au quartier allant du Cadabou à l'avenue de Mézières. Pour tirer à Gautré. On s'était posé la question, souvenez-vous, des questions de sens de circulation. Nous, on était partis un peu dans l'idée, initialement, de se dire qu'il faudra un sens de circulation unique. Et puis, on a compris que ce n'était pas quelque chose qui prévalait et qui était plutôt accepté. Donc, on a vérifié, M. Chantrier qui a piloté cela, on a vérifié, et la voirie telle qu'elle est dimensionnée aujourd'hui, elle nous permet facilement de circuler à double sens. Et que finalement, la circulation à double sens, au moins sur la rue du NST et sur la rue des gens qui ne voient que pas de la bouche de la tête, sauf à parler de travaux tels qu'il y a aujourd'hui, ça je vous le concède. Mais elle est suffisamment dimensionnée pour accepter la double circulation, et finalement, la double circulation, ça évite aussi que. Voilà, ça oblige les gens à ralentir, ça évite d'avoir une grande ligne droite où je suis tout seul et je peux rouler tout le monde balcon. Vas-y. On va pousser juste ici parce que vous étiez là, ce qui ici, ce projet, on va juste ici. Là, il est trop fort, tout est défoncé, donc on va arriver à prendre le jeu. Alors, l'idée, donc, bien sûr, c'est d'abord de réaliser cette voie-là, puis après, une fois que tous les travaux seront terminés, de pouvoir reprendre toute la voirie du GST, enfin, toute la voirie, au moins jusqu'au rond-point, parce que l'autre a été refaite. Oui, mais là, elle est sculptée jusqu'au bout. Alors là, la partie là. Et puis sur la seconde partie, allant du rond-point de Préfalu, de l'ancien Préfalu jusqu'à l'ancien Superlu, là, ce qu'il faut organiser, c'est le stationnement. La voirie est bien dimensionnée, elle a été refaite il y a pas longtemps. Par contre, le stationnement est complètement anarchique. Donc on profitera de ces travaux-là pour revoir toute la partie stationnement. Et puis là, la perspective aussi, c'est après de travailler sur ce parc-là, sur le parc où il y a le terrain de boules et les oliviers. Mais si on a une nouvelle surprise, d'apprendre qu'apparemment il ne nous appartient pas. Hein, on vérifie ça, il appartient au lotissement, c'est ça? Il va falloir qu'on creuse ça. Mais ça, c'est pas un sujet hein, difficile. Donc voilà. Donc l'idée qui est la nôtre aujourd'hui est que l'on viendrait réalisé dès 2024. Dès 2024, pourquoi? Parce que ces logements, ils vont arriver. Ces logements, ils vont arriver, il faut qu'on soit à même de pouvoir apporter une réponse. L'autre alternative étant de conserver exclusivement la ville de Mézérac et d'amener plus de circulation encore sur la ville de Mézérac. La solution l'avait été évoquée il y a quelques années, de faire un rond-point ici. Mais
Mais on savait, d'abord, il y avait une opposition forte, certains sont là dans la salle, la problématique du rond-point. Le rond-point, effectivement, il permet de sortir. Le problème du rond-point, c'est qu'il permet aux voitures qui viennent de l'Est, c'est Saint-Gervais, de rentrer par là et de rentrer. C'est ce qu'a fait l'opposition, ce qui a été la motivation de l'opposition de l'époque. Alors, on avait réfléchi à un rond-point à trois branches. Ça, c'était le caprice du maire. Faire un rond-point à trois branches, c'est-à-dire le rond-point Nicolas, c'est ça. Un rond-point, on puisse rentrer, on puisse sortir, mais on puisse pas rentrer. Mais bon, on m'a dit que c'est... J'ai eu un veto des services de l'État, du département, donc c'est pas quelque chose qui existe. Le code de la route est aussi très, très codifié. Donc on peut pas faire n'importe quoi, parce que ça aurait été une solution. Parce que ce qu'il faut pas, c'est que l'artère de Genestré devienne une artère de délestage de la 86. Parce que lorsqu'on dézoome sur Marguerite, on voit bien que Genestré, elle lui va direct jusqu'à la gare, et que de la gare, on prend le chemin du canot, et que là, on contourne. Donc, alors, on sait que l'on ne règle pas la problématique de la sortie. Pour ajouter quand même, monsieur le maire, avec le deuxième carrefour qu'il y aura en haut, toute la circulation qui est rentrée ne se fera plus. Il y aura une circulation, on apaisera la circulation en rentrant, ça favorisera, si on en sort. Là, j'ai pas dit que c'était la panacée, comme la panacée giratoire. Ça enlèvera toutes les voitures. Si vous en avez 300-400 voitures en 40, on n'a pas une carte. Alors, une des solutions que l'on a et qui existe en fait, c'est le rond-point de Saint-Gervais. Là où il y a la boulangerie rouge. Là, c'est une solution, d'autant plus qu'on a une voie qui arrive à la rue des Hommes. Il y a les deux rochers. Donc ça, c'est une solution. Si ce n'est que les deux rochers, ils sont sur la commune de Saint-Gervais, ils ont été positionnés par la commune de Saint-Gervais. Donc, on est en discussion avec le maire de Saint-Gervais. Pour la problématique, c'est que si le maire il ouvre la voirie dans un tel état qu'il devrait refaire la voirie, il n'a pas les moyens d'en faire la voirie. C'est tout simplement une question d'ordre. Donc on est en discussion avec lui, avec les services de la métropole, pour réouvrir cette voirie qui pourrait être là, une sortie, mais qui le matin ne réglera pas de problème. Parce que les gens qui arriveront sur la départ, 80% de la population, Marguerite-Toise, qui travaille à Nîmes. 80%, ils vont dans cette direction-là. Donc ils se retrouveront dans le quotidien. Alors, la solution serait un contournement de Marguerite. La fission, on en avait parlé, la fission, elle aurait dû se poser au moment où on a fait le contournement ferroviaire de Marguerite. Ça s'est pas fait pour diverses raisons, je sais, j'étais pas là. Bon, le constat, il est là. Aujourd'hui, il y a des pistes. Il y a des pistes de contourner Marguerite par le nord, le long de l'autoroute. Mais monsieur parlait de Lézard. On a des orchidées. Donc aujourd'hui, on le sait, les nouvelles infrastructures routières, avant qu'elles sortent, il faut des décennies et des décennies. Regardez le contournement ouest de Nîmes, regardez la déviation du doublement de la route à l'est, le contournement nord de Nîmes. C'est des projets qui c'est les Arlésiennes. Hein, c'est au moins 30 ans. Donc on sait que ces sujets sont longs. On a conscience de ne pas régler le problème de la sortie. On pourra peut-être. À travers un sens de circulation sur certains axes, la rue Pasteur, l'avenue de Mézérac, on pourra peut-être fluidifier les choses. Mais effectivement, le rond-point de la rue de Paris restera le rond-point de la rue de Paris. Alors on a un projet plus en amont qu'on va présenter là, sur le quartier Pradel, c'est de faire une entrée là pour le coup avec un rond-point, à l'endroit du village des Solidarités, pour faire une nouvelle entrée-sortie sur le nord de la commune. Mais juste pour le vivre tous les jours, en fait, ce qui génère énormément de trafic, enfin, moi je le vis tous les jours, c'est vraiment le collège et de Marcieux, le matin après midi. Rien ne peut être envisagé pour justement désenclaver le collège, histoire que de la départementale, on puisse accéder directement au collège. C'est le fameux rond-point dont je parlais tout à l'heure, le rond-point de Pradel. Donc l'idée de ce Pradel, de ce rond-point, c'est de faire donc une nouvelle entrée, comme je le disais, mais aussi. Aujourd'hui, tous les bus qui viennent au collège, qui rentrent par la rue de Paris, qui prennent la rue, la Travette, etc., sont tous de l'Est. Et le rond-point de Pérouse, le rond-point de Pérouse. Oui, peut-être. Le rond-point de Pérouse.
Alors, on est là. Voilà, on est là. Voilà, l'idée c'est de créer un rond-point à peu près par là. Il y a marqué ça plus loin. Voilà, à peu près. Hein. En gros, hein, on n'a pas positionné exactement. Et donc, l'idée c'est que tous les bus qui viennent de Saint-Gervais-de-Bezouz de Bezouz suivent, ne rentrent plus dans la ville de Paris, mais rentrent par ce rond-point, c'est l'objectif, et accèdent au collège par derrière. D'accord ? Donc, déjà, ça délesterait tous les bus qui rentrent dans la commune et qui le matin comblent énormément la circulation. Et du coup, peut permettre aussi notre entrée pour les marguerittois, tout qui vient, y compris de l'Est de la commune. Mais oui, le sujet, il est là. Ouais. Et du coup, l'école des Heuls doit être aussi. Doit être aussi une réponse pour qu'il y ait moins de personnes qui aillent jusqu'à l'école de Marcy. Oui, par contre, sur l'image d'avant, on voit des flèches à Médéral qui est Canabou. Voilà, qu'est-ce qu'elle représente ces flèches? C'est deux flèches? Oui. Là, c'est l'entrée à Médéral. C'est une flèche au bout, là-dessous. C'était juste un plan qu'on a. Aujourd'hui, il n'y a pas de plan de circulation. C'était juste pour les montrer. Non, c'était l'agence d'urbanisme qui avait travaillé sur ces dossiers-là. Non, il y a pas de, aujourd'hui, il n'y a pas de travail sur le plan de circulation qui a été fait. On sait que là, sur ce quartier-là, effectivement, il y a une source unique parce que les voies sont très étroites. D'ailleurs, on inversera par rapport aux flèches existantes. Mais après, non. Oui. Après, non. Eh ben, de toute manière, si on laisse ça en double sens, c'est la proposition qui est faite, il faut que ça reste en double sens. Sinon, on se retrouvera à côté. Soit on organisait un sens d'un côté ou de l'autre sur ce triangle-là, soit on laisse tout en double sens. Même si la rue du Cadabou était une rue étroite. Alors là, je suis étonné, le forme de mobilité douce, il devient quoi en fin de compte? Il a toujours du sens. Mais vous dites que par exemple sur l'avenue de Mézérac, on devait faire un sens avec une piste cyclable. Mais je suis pas bien. Alors, sur l'avenue de Mézérac, j'ai plus en tête le plan sur Genesté et Jean-Pierre ici. Sur l'avenue de Mézérac, évidemment que l'on va mettre en place. Une voie cyclable pour permettre le type, c'est de permettre aux élèves de l'école et du collège de pouvoir accéder à leurs établissements scolaires en toute sécurité. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. Ça peut être le sens unique. Ça peut être une voie cyclable, des voies cyclables dédiées, ce qu'on appelle les chaussidoux, cher à M. Chantrier, ce que l'on voit maintenant. C'est-à-dire des zones où circulent dans les deux sens voitures. Il faut arrêter ça. Ah ben écoutez, aujourd'hui, dans toutes les villes, je ne sais pas finir. Dans toutes les villes, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nos voiries, elles ne sont pas dimensionnées. Elles ne sont pas assez larges pour pouvoir accueillir cette demande de transport. Donc, le chaussidoux, c'est une solution de zone partagée. Zone partagée, où la vitesse est limitée soit à 20, soit à 30 km/h, et où les piétons et les vélos sont prioritaires sur les voitures. Donc aujourd'hui, c'est la solution qui est déployée dans les villes, parce qu'on n'arrive pas, il y a des voies où on ne peut pas. La rue Doré, on a pu facilement créer une voie cyclable, parce qu'elle est très large. Il y a des voies, on ne le pourra pas. Je ne dis pas qu'on ne fera pas Mézard, parce que si on fait le choix de la mettre en sens unique, oui, on pourra. Si on fait le choix de la mettre en sens unique. Si on fait le choix de la laisser à notre sens, on ne pourra pas faire une piste cyclable dédiée, donc il faudra passer en chaussée. Ben oui, mais alors là, vous êtes sur une situation qui va être extrêmement complexe, parce que déjà, moi, j'habite à Mézérac. Je vois très bien ce qui se croise. Déjà, les autocars, les autobus, quand ils se croisent, ils ont beaucoup de mal. Là, en plus, avec le chantier Mézérac, les camions, les poids lourds, vous regarderez les bords de trottoir qui sont complètement dégradés, qui étaient pourtant tout neufs. Tout ce qui concerne les cassis ou dodanes, qui sont dégradés. Donc, moi, je pensais quand même que sur le plan de mobilité douce, c'était sûrement acté, j'ai l'impression que ce n'est pas acté, c'est que les sens de circulation sont remis en cause. Aujourd'hui, il n'y a pas de sens de circulation arrêté. Il n'y a pas de sens de circulation arrêté parce qu'il faut
suis assez étonné parce qu'en plus, la départementale, j'ai cru comprendre que la départementale allait être déclassée. Alors, dans peu de temps, elle va être déclassée. Alors, elle sera déclassée, elle pourra être déclassée le jour où on fera le rond-point Pérouse. D'accord ? Là, on aura... Oui, mais elle est déjà programmée dans le déclassement. Elle est programmée dans le déclassement une fois qu'on aura fait le rond-point Pérouse, puisqu'on aura une entrée d'agglomération. Ce qui nous permettra effectivement de réduire la vitesse sur la départementale 86 pour créer notamment des espaces de traversée pour les piétons beaucoup plus sécurisés qu'ils ne sont aujourd'hui. Donc oui, la départementale 86 va être déclassée. Mais ça gêne, ça, je dirais que ça n'a pas d'incidence sur le plan de circulation. Ce qui est acté dans le PLNG, c'est que ces voies-là sont des voies qui vont accueillir des pistes cyclables, des voies cyclables. Ça, c'est acté. D'accord. Ça, c'est acté. Ce cheminement, 30 secondes, je dézoome un peu. Ce cheminement, il s'inscrit dans la voie cyclable Nîmes-Pont du Gard. Nîmes-Pont du Gard, en passant par les pistes, on rejoint Pradène, on rejoint le parc de Pradène, on traverse le CD135 par un passage sur lequel on est en train de travailler sous le pont actuel. On prend la piste cyclable existante, on arrive au collège et à l'école, alors on est tout en voie cyclable, et après on pourra prendre Mézérac, avenue du Canabou, ou voir contourner par le haut, on est en train de le travailler, et de sortir sur les fameux deux rochers dont je vous parlais tout à l'heure, à Saint-Gervasie. Quand on est à Saint-Gervasie, on est à Bezous, quand on est à Bezous, on est à Sarlac, et on est à Grand. Donc vous voyez, donc il y a véritablement, il n'y a pas qu'un projet Marie-Louis-Trois, ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus global. Donc ce qui est fait, c'est que ces voies-là sont bien des voies cyclables. Après, c'est la technique que l'on va employer qui devrait être la plus adaptée possible. Vous aviez proposé un délai ou pas du tout? Comment? Est-ce que vous aviez proposé un délai pour réaliser tout ce genre de plan de mobilité douce ou pas? Alors, on le fait au fur et à mesure que l'on réalise les voies. Vous voyez la rue Daudet, on a créé la piste cyclable. Aujourd'hui, elle s'arrête à Avenue du Plaisir. Et demain, parce qu'on va reprendre l'Avenue du Plaisir, parce qu'on va refaire toute la rue de la République, etc. Donc elle va continuer ce sens-là. Donc au fur et à mesure qu'on fait les voiries, on va reprendre, on crée des pistes cyclables telles qu'elles sont prévues dans le plan. Et une fois que ces travaux-là sont terminés, on sait que cette voie-là, il faut la reprendre, et que cette voie-là, il faut la reprendre. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que l'on rentrera dans ces travaux, dans la création de ces pistes cyclables. Donc non, il n'y a pas de leçon, c'est pas arrêté encore. Parce qu'il faut que la solution technique y réponde. Parce que derrière, il y a la problématique des vélos, la problématique des voitures, la problématique des piétons, la problématique du stationnement. Et il faut qu'on arrive à faire coïncider, c'est toujours une question d'équilibre. Mais ça, je ne dis pas le contraire. Donc ça, c'était pour l'entrée de ville, si, madame. Excusez-moi, moi, ça ne fait pas longtemps qu'il y a un algorithme. Où j'habite, c'est du côté du cimetière, de la coopérative. Quand les gens sont au stop au niveau du cimetière, jusqu'au rond-point, il y a la boulangerie bleue, la rue, c'est la rue de Plassac, voilà. Les gens, ils passent comme des malades, mais je peux vous garantir que je vous invite à venir passer un après-midi avec. Le problème, c'est que moi, j'ai deux petites filles, et que quand je sors de là, je suis obligée de leur dire de raser les murs pour attendre de pouvoir traverser tranquillement avec elles pour récupérer la voiture. Cette rue de Clarençal, j'en parlais tout à l'heure, c'est ces grandes lignes droites, bien larges, oui, et qu'empruntent les voitures à force, ce qui est moins le cas dans le sens inverse, venant de la gare, parce qu'avec la piste cyclable que nous avons réalisée, ça rétrécit les voies. Plus on rétrécit la voie, moins les voitures remontent. Oui, mais en plus, il y a des dodanes. Nous, dans la rue de Clarençal, nous n'avons aucun dodane. Donc je peux vous garantir que souvent, ils passent à plus de 50 km/h. Et s'il n'y avait que la rue Clarençal, j'en serais ravi. Mais si vous... Dès qu'il y a une ligne droite, dans la commune, alors c'est pas pour voir Marguerite, dès qu'il y a une ligne droite, les gens roulent comme... Oui, mais le problème, c'est que dans certaines rues, moi je ne les connais pas toutes, mais celles qui accèdent justement de la pharmacie jusqu'à la rue Pasteur, tout ça, ils ont des dodanes, et que là, dans cette rue Clarençal, il n'y en a pas. Alors là aussi, au fur et à mesure qu'on réalise les travaux de voirie, parce que
il y a beaucoup de retard hein, sur les travaux de voirie. On y consacre minimum 600 000 euros par an. On sait que ce n'est pas suffisant. Il nous faudra plus qu'un mandat pour arriver à tout réaliser. Mais systématiquement, lorsqu'on refait les voiries, on crée des aménagements qui doivent amener les voitures à ralentir. Donc des plateaux traversants, rétrécissement des voies, des chicanes, etc. Mais peut-être que... Alors, on est allé, d'ailleurs, j'y pense, parce qu'on avait été sollicité par les habitants de la rue de Clarensarne, et on doit tracer des places de stationnement sur la rue de Clarensarne, ça me revient, justement pour pouvoir créer des chicanes et obliger les voitures à circuler entre les places de stationnement. Parce que moi, je peux vous dire... Il faut qu'on s'en occupe, ça va. Devant chez moi, en plus, la route est comme ça. Quand on sort, quand il pleut, on est obligé de se cacher derrière le portail. Sinon, on prend la douche. Ça, c'est sûr et certain. Ah, mais je vous confirme que les voiries sont dans un état... Mais le truc, c'est que quand... Beaucoup datent de la création de lotissement. Quand on est avec nos petits-enfants, ça fait peur, quoi. Parce que je suis obligé, moi, de me mettre... Je veux dire, ne bougez pas, je regarde s'il n'y a pas de voiture pour qu'elle puisse traverser sans être arrosée, quoi. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a de véritables réalisations importantes à faire sur la voirie. Alors, on essaie de le faire petit à petit. Voilà, on le fait petit à petit, mais voilà, la commune est grande. Oui, non, mais je comprends bien. Mais la rue de Clarensarne, on l'a noté, et on doit réaliser les pas de stationnement. C'est que de la peinture, M. Gentrier, donc il faut s'y mettre. Hein, en tout cas, je compte sur vous. Pardon, Mme Sain. Le problème est le même rue Gérard de Merval. Il y a beaucoup de nids de poules et quand il pleut, les voitures passent très vite et on s'en prend plein la figure. Mais la rue Gérard de Merval n'a jamais été refaite. Je le sais malheureusement. La rue Gérard de Merval, on se le note dans les rues à projeter. Il me fait les yeux comme ça, monsieur. Il a fait tout autour, sauf la rue Gérard de Merval. C'est vrai qu'on a refait tout le quartier là-bas. On a refait tous les quartiers là-bas. Mais pas notre rue. Bon, là, c'est ça. Alors, le programme 2024, il est bouclé. Il faut qu'on se projette. Ah oui, mais ça fait il semblait qu'on téléphone, qu'on demande. Non, mais c'est vrai qu'on a fait toutes les rues qui entourent, voilà, et pas la rue Gérard. Vous avez raison. Rue Gérard de Merval. Alors, ce que l'on fait aujourd'hui, plutôt que faire ce changement qui existait il y a quelques années, c'est qu'on organise le stationnement en quinconce. Ce qu'il faut à tout prix, c'est tracer les places de stationnement, pour que les gens se garent sur les places de stationnement. Et là, on les organise un coup à droite, un coup à gauche, en fonction bien sûr des portails. Il ne faut pas gêner les entrées existantes. Et le fait d'organiser ces chicanes-là, automatiquement, ça, naturellement presque, j'allais dire, ça oblige les voitures à slalomer et du coup à réduire leur vitesse. Et ça permet d'organiser le stationnement parce que la lune de GST, alors celle-là, sur cette partie-là, je sais moins, sur la partie en bas, c'est une catastrophe. Il y a des fois, elles sont carrées l'une en face de l'autre, on ne peut plus passer. Et si vous y pensez à 11 heures au soir, toutes les voitures, elles sont dans les trous dans le garage. Eh oui, parce qu'on a quand même, heureusement, assez d'espace normalement dans nos maisons pour garder nos voitures. Quand on fait le stationnement, 15 jours d'un côté, 15 jours de l'autre, ça marche pas. Alors, les 15 jours, aujourd'hui, ça ne se fait plus. C'est plutôt ce stationnement quelconque. Voilà. Mais le tout, c'est d'organiser le stationnement. Parce qu'il y a déjà une rue qui est comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, je pourrais jouer le panneau pour me rappeler, pour pouvoir le dire. Celle qui est. Mais c'est tout le quartier des GMF qui a organisé ouais, comme ça. Cette rue, elle est un stationnement interné. Ça fonctionne pas. Et souvent aussi parce que les stationnements ne sont pas tracés. On l'a vu sur la rue Xavier Bichat qui a été refaite. La rue Xavier Bichat et la rue Roumanie. On a tracé les pas de stationnement. Mais ça n'a pas été simple lorsqu'on l'a présenté aux personnes. Parce qu'on changeait les habitudes. Mais c'est efficace. Parce que ça oblige les gens à stationner là et pas ailleurs. Fait des voiries, il faut voir mieux en métropole parce que les réseaux sont très vieux dessus.
Donc il faut d'abord changer les réseaux, ce qu'on a fait en Roumanie. Là. Donc on donne à notre plan, notre projet Lyon Métropole, où j'interviens, je n'interviens pas. Par exemple, Vigée, la rue est dans un état déplorable. Mais Lyon Métropole a fait des travaux en 2024. Peut-être qu'en 2025, à ce moment-là, on peut intervenir. Sinon, si je voudrais qu'on rouvre derrière, c'est pas la peine. Oui, alors bien sûr qu'on les a. On travaille en concertation avec l'agglomération, parce que les réseaux sont anciens aussi. On essaie de ne pas casser ce qu'on vient de faire. Oui, pardon. Il y a un truc que je voulais savoir. Moi, j'habite rue de la Pastorale. Et en ce moment, on a des gros camions qui passent dans la rue de la Pastorale. C'est pratiquement impossible. L'autre jour, il y avait un truc à poids lourd de 45 ans. Mais il y a aux travaux. Il y a aux travaux de maille. C'était un camion de maison. Je suis en IFT. Et il passe par ailleurs. Je comprends pas comment. Le stationnement, le centre d'habitude que vous avez enlevé, c'est génial. Avant, il fallait qu'on fasse le tour de l'autre côté. Maintenant, il y a les camions qui passent dans la rue de la Pastorale. C'est inconcevable. Ah, c'est un chantier. C'est à cause du chantier ? Non, non, mais ça fait des chantiers. Ils sont obligés de sortir pendant. Ah, mais dès que la rue millénaire. C'était pas les camions de chantier. Non, non, mais c'est parce que le fait que l'avenue millénaire. Soit fermée devant l'église. Oui. Parce qu'elle est en travaux là. Ouais, là, on fait des pavés. Du coup, ils ne peuvent pas accéder autrement que par derrière. C'est pour ça que les gars, vous avez des camions de livraison. D'accord ? J'ai vu vivre en plus que c'est pour ça en fait. Et l'avenue du millénaire, normalement, on est allé tout à l'heure, elle devrait ouvrir d'ici le mois de juin. Ouais. Mais j'y vais. Ouais. Je vous propose de venir sur quelque chose dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, qui est le stationnement autour de l'ancien préfabu, donc des futurs logements. Donc là, on a l'ancien préfabu qui est ici, donc là où sont en cours de construction les logements. Et ce que l'on préconise, c'est de créer dans la rue des Pâquerettes, sur cet espace-là, cet espace enherbé qui est un espace pas utilisé, un espace de stationnement qui devrait grosso modo pouvoir accueillir une dizaine de voitures. 20 voitures, ça a été toujours les 20 places de stationnement qui permettra. On a quand même des inquiétudes là sur l'impact en termes de stationnement de ces 10 logements, parce que dans le cas des logements sociaux, ce que prévoit le plan de l'Albanie, c'est une place par logement. Et une place par logement, aujourd'hui, lorsqu'il y a un T3 ou un T4, c'est. Donc. Ce que l'on imagine et ce que l'on propose, c'est de réaliser donc là cette vingtaine pour le coup de places de stationnement, qui sera donc une alternative pour les personnes qui habiteront là, mais aussi bien entendu pour les personnes du quartier. Comment ? Alors, l'idée d'abord, c'est de ne pas bétonner, c'est d'avoir un stationnement désimperméabilisé, on va pas imperméabiliser là où c'est désimperméabilisé. On mettra soit du béton drainant, enfin des choses qui permettent à l'eau de circuler. Il y a toute une partie enherbée qui restera parce que cette partie est très large, donc on n'a pas besoin d'utiliser toute la partie. Et quant aux arbres, c'est à réfléchir en fonction du nombre de places que l'on posera, parce qu'on peut imaginer effectivement que poser des arbres pour avoir une zone ombragée. Alors il faut se méfier des stationnements en zone ombragée, parce que moi j'en ai un devant chez moi, et les arbres ça attire les pieds. Et les pieds ça s'exprime sur les voitures. Mais pourquoi pas, bien sûr, il n'y a pas de... L'idée, voilà, c'est d'apporter, c'est un espace qui n'est plus utilisé, c'était un terrain de boule, moi j'y ai joué aux boules, souvent. Aujourd'hui c'est plus le cas, donc ça peut être une réponse aux stationnements. Donc voilà sur les grands projets qui concernent Genesté, Champollion, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Le projet lancé, la Sud-Ville. Le projet lancé, donc Champollion se fera à l'automne. Les jambes de Champollion, la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine. Voilà, on va la faire là. On casse les jambes parce que les camions de poubelle ne tournent pas bien. Ou sur la prochaine, la semaine d'après.
Madame. Alors, lorsque. Alors, je n'ai pas en tête l'état de la plus jonquille. Il ne me semble pas que ça soit une ville les plus habillées. Si, si, elle est habillée par rapport aux arbres. Par rapport ? Les arbres. Alors, la rue des Jonquilles, moi je pense qu'il y a des espaces qui doivent être arborisés. Parce qu'on a une multitude de petits espaces qui ne sont pas utilisés. J'ai eu des demandes, et ça, c'est pour le travail de certains habitants de la rue des Jonquilles de positionner des bancs sur un ou deux espaces qui peuvent être des lieux d'apaisement. Alors, les bancs, c'est toujours un sujet. Les passants nous les demandent. Et puis les riverains, en général, ils ne veulent pas. Vous trouvez là aussi, c'est une question d'équilibre. Bon, aujourd'hui, la rue des Jonquilles, on ne l'a pas projeté. Par contre, ce qu'on a projeté, c'est là aussi, c'est d'organiser le stationnement. On ne l'a pas projeté, pourquoi? Parce que c'est pas, comme je le disais, il y a beaucoup de rues qui sont aujourd'hui dans un état déplorable. Et on ne peut pas tout faire. Donc là, la priorité, on va la donner à Genesté, la partie qui a été travaillée dans votre quartier. La partie qui est impactée aujourd'hui par les travaux, et la ville de Mézières qui elle aussi est impactée. Là, c'est deux voiries qu'il faut à tout prix reprendre, puisqu'elles sont dans un état Et après, par contre, ce que l'on veut, c'est qu'une bonne tenue de cette entrée de ville, il faut qu'on casse la vitesse, donc d'organiser le stationnement et éventuellement des équipements supplémentaires si besoin, des arbres traversants. La gare, il y a projet, c'est vrai que vous avez raison, j'aurais pu le mettre. Il y a toujours projet, le problème c'est que on parlait des lézards et des orchidées. Donc l'enjeu de la gare, c'est en fait que les trains s'arrêtent. L'enjeu c'est pas la gare, c'est que les trains s'arrêtent. Pour que les trains s'arrêtent, il faut qu'il y ait des quais accessibles, notamment aux personnes à mobilité réduite. Ces quais ils sont réalisés par SNCF Réseau. Il y a la question des quais et la question des deux passages à niveau qu'il faut sécuriser. La grosse question, c'est la question des quais. Donc les travaux devaient démarrer fin 2024 ou 2025. Si ce n'est qu'une haute autorité, la haute autorité environnementale, s'est aperçue qu'il y avait un train qui circulait le supermarché. Alors que le train, il a toujours circulé. Ce n'était pas le train des voyageurs, mais le train des marchandises. Et qu'il y a une étude d'impact environnemental qui a été lancée par la haute autorité supra-gouvernementale. Et donc, étude d'impact qui va durer 2 ans, qui retarde donc l'installation, la réalisation des quais de 2 ans. Sont concernés les gares de Marguerite, Moulin, Roquemont, Monin-l'Ardoise. Donc, on est toujours en lien avec SNCF, SNCF Réseau. Ce qui est fou, c'est que tous les financiers sont d'accord, tous les partenaires publics sont d'accord, et qu'aujourd'hui, on a cette équipe. On avait, il y a 15 jours, 3 semaines, une réunion avec SNCF, donc tout le monde continue à travailler pour être prêt, et leur perspective, c'est de pouvoir démarrer les travaux fin 2026. Ce qui veut dire une ouverture 2027. Un arrêt du train 2027. Et parallèlement à ça, avec les métropoles et avec la région, on va travailler à la réalisation d'un pôle d'échange multimodal, c'est-à-dire un lieu de stationnement et d'accueil des voyageurs, et la réhabilitation de la gare, dont on n'a pas du tout encore la destination, mais qui sera tout sauf une gare. Parce qu'aujourd'hui, la SNCF n'a pas besoin de gare pour faire circuler cette gare. Donc ça reste un sujet, mais qui, malheureusement, contre la volonté de tout le monde, a été déclenché. Voilà. Je vous avais promis 20 heures, je suis désolé. Pardon, une question. Monsieur Barbara, attendez, juste une question. Allez-y, monsieur. Un passage tout à l'heure à quel niveau ? Sous la nation 4. Alors, là, on est sur la compétence du département. Hein, c'est une voie départementale. Très sincèrement, je ne sais pas que vous répondre.
vous dérange. Ça va, vous dérange. Alors, quand je vous disais, on est sur la sur une réalisation qui est comme au département, puisqu'on est sur une route départementale, je dirais heureusement, parce que le coût d'un tunnel, ça peut être énorme, supporter la commune. Mais non, c'était très sincèrement, je ne suis pas sûr que le département aujourd'hui en fasse une priorité. Mais c'est des pistes à étudier. Autant si ça se justifie avec mon limite, le département, ce qu'il apprécie, c'est le gain entre l'investissement et le gain en profit. C'est ce qu'il apprécie, mais c'est une piste qu'on peut leur soumettre. Et j'avoue que je ne suis pas technicien, je ne serais pas capable de vous répondre. Oui. Et bon, vous pensez qu'il y a le calabou qui a. Mais bon, voilà, mais c'est des sujets à poser. C'est des sujets à poser, mon cher. Il faut être ouvert à toutes les pistes de réflexion. Bon, je vous remercie. Merci à vous. L'objectif, c'est qu'on se revoie une à deux fois par an pour refaire un point comme ça, quartier par quartier. Merci à vous.